se moque même de celui où l'iniquité s'accroît. C'est possible, c'est possible.
possible aujourd'hui de trouver les vraies réponses. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Et alors que la promesse y entrée subsiste encore, c'est possible. C'est possible, tout est possible. Alléluia, plus de doute, en Jésus tout est possible. Si tu crois, sans hésiter, tu verras. Possible, tout est possible. Alléluia, plus de doute. En Jésus, tout est possible. Si tu crois, sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu. The Lord bless you. We can close our eyes and bow our heads to open for the prayer. Heavenly Father, Creator of heaven and earth, we lift up your name this morning with thanksgiving because you allowed us once more to see another day. You renewed the breath of life in all of us in such a way that we're able to wake up this morning. Such a way that we had a peaceful night and that you protected us. And you give us again this opportunity, Lord, to come in your house. And as we come here, our prayer is always to that you may help us to have hearts that are ready to listen to you, to receive your instructions, Lord. That's how we pray, that you may remove all distraction, may remove all unbelief, remove all resistance, Lord, to your word in such a way that your word may produce in us what you purpose for it. It is said in your word that sanctify them by your truth. Your word is the truth. And we believe that we'll be hearing again today the word of truth. That's why we pray that you may help us, that the word that we will hear sanctify us and may help us in our walk. Lord, may you bless this time that we'll spend in your house. May you also remember the servant that you will use. May you give him what he needs in order for your people to be edified. We also want to commit to you all the requests and all the needs that are in our hearts, in our midst. May you take care of each one of us, because we know that only you can truly answer our prayer and only you can truly meet our needs. Lord, we want to commit this time into your hands from beginning until the end. Oh, we pray this in Jesus' name. Amen. Start with 246. Je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée. Plus de
m'en sauver. Non, jamais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. L'aube m'a digné, ne lui comme beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je de vue, l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre le ciel. Non, jamais tout seul.
was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stained within, seeking to rise no more. But love lifting, love lifting me, love lifting, love.
Je sais ce que le sang pour moi.
son sang et la vie pour moi. Tous mes péchés lavés, le salut est acquis. Et son sang et la vie pour moi. Tous mes péchés lavés, le salut est acquis. Et son sang et la vie pour moi. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi, je serais toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, je serais toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé. L'amour de Dieu si grand pour moi. Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé. L'amour de Dieu si grand pour moi. Je suis heureux pour Christ, je suis heureux pour Christ, sauveur de ce qui m'a aimé et a donné la vie. Je suis heureux pour Christ, sauveur de ce qui m'a aimé et m'a donné la vie. Je suis heureux pour Christ, sauveur. Je chante pour Jésus, je chante pour Jésus, mon roi. Tous les jours de ma vie, je chante Alléluia pour le sang versé à la croix. Chante Alléluia pour le sang versé à la croix. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt pour moi. Il a préparé la place pour son épouse. Jésus revient bientôt pour moi. Il a préparé la place pour son épouse. Jésus revient bientôt pour moi. When the trumpet of the Lord shall sound, the time shall be no more. When the glory breaks eternal blood and flame. When the saved on earth shall gather over on the shore. And the Holy Spirit up yonder will be there. Of his resurrection shame. When his chosen ones shall gather to the home beyond the sky, and the Holy Spirit up yonder I'll be there. Labor
up of his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done and the world is gone up yonder, I'll be there. Oh, and our closing days of time.
white joy, that glorious of purple. Oh, that soon no one used to sublime. He shall be King of Kings and Lord of Lords. He's coming soon. He's coming soon. Coming soon, he's coming very soon. With joy, we welcome his returning. It may be more, it may be not unknown. We know he's coming soon. He's coming soon. Coming soon, it's coming very soon. With joy, we welcome his returning. It may be more, it may be night or noon. We know he's coming soon. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Nous vous saluons ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. We greet you all this morning in the name of the Lord Jesus Christ. Nous remercions le Seigneur de l'opportunité qu'il nous accorde ce matin. We thank the Lord for the opportunity he grants to us this morning. De pouvoir nous réunir dans ce lieu. To be able to gather in this place. Afin de pouvoir écouter sa parole. In order to listen to his word. Nous le remercions également de ce qu'il nous a compté parmi les vivants. We thank him also that he counted us among the living. Nous avons des salutations des frères. We have greetings from brethren. Nous avons les salutations de frère Mwamba de Kolwezi. Greetings from Brother Mwamba from Kolwezi. Et de pasteur Francis de l'Afrique du Sud. Brother Francis from South Africa. De la sœur Molly de l'Afrique du Sud. Sister Molly from South Africa. Qui a également remercié l'Église pour les prières. Who also thanked the church for their prayers. Nous avons les salutations des frères Malale de Kolwezi. We have greetings from Brother Malale from Kolwezi. Frère Mukaku de Kolwezi. Brother Mukaku from Kolwezi. Frère Serge Katombe de Kolwezi. Brother Serge Katombe from Kolwezi. Sœur Winnie depuis l'Afrique du Sud. Sister Winnie from South Africa. La sœur Teresa depuis l'Afrique du Sud. Sister Teresa from South Africa. Frère Christian Kisula depuis la République démocratique du Congo. Brother Christian Kisula from the DRC. De frère Dominique ainsi que la sœur Germaine depuis l'Afrique du Sud. Brother Dominique and Sister Germaine from South Africa. Requête de prière. Prayer requests. Nous allons nous souvenir dans nos prières de notre frère Mwamba. We remember in our prayers Brother Mwamba. Ainsi que de notre frère Kazadi pour un problème de santé. As well as our brother Kazadi for a health issue. Nous allons nous souvenir dans nos prières du pasteur Francis de l'Afrique du Sud pour sa santé. We remember in our prayers Brother Francis from South Africa for his health. Nous allons nous souvenir dans nos prières de notre frère Archange. Remember in our prayers, Brother Archange. Qui a perdu son oncle maternel. Who lost his uncle from his mom's side. Afin que Dieu puisse le soutenir. So that God may comfort him. Qu'il puisse soutenir toute sa famille. And the whole family. Et qu'il soutienne particulièrement sa maman qui est très affectée. And that he may comfort especially his mother who is very affected. Nous allons nous souvenir, nous continuons de nous souvenir dans nos prières de notre frère Josué de North Carolina. We continue to remember in our prayers, Brother Josué from North Carolina. Comme vous le savez, qui avait perdu sa maman. Who had lost his mother. Afin que Dieu puisse continuer à le soutenir ainsi que toute sa famille. So that God may continue to comfort him as well as his family. Notre sœur Joël est de retour. Sister Joël is back. Nous remercions le Seigneur de l'avoir gardée. We thank the Lord for protecting her.
Mais nous continuons à prier pour le dossier concernant ses enfants. We'll continue to pray for the case regarding her children. Nous remercions également le Seigneur. We also thank the Lord. Et car notre sœur maman Agnès, Sister Agnes, arrived safely. Et si c'est la volonté de Dieu, elle pourra retourner ici au courant de la semaine. And God willing, she will be coming back next week. Je vous invite à vous lever. Nous allons lire une portion de la parole. I invite you to stand so we can read a portion of the scripture. Nous lisons dans Ésaü. We read in Isaiah. Chapitre 5. Chapter 5. Nous lirons le verset 20 et le verset 21. We read verse 20 and 21. Lisons. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Woe to those who call evil good and good evil. Qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Who put darkness for light and light for darkness. Qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Who put bitter for sweet and sweet for bitter. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Woe to those who are wise in their own eyes. Et qui se croient intelligents. And prudent in their own sight. Que notre Dieu ajoute ses bénédictions à l'écriture de sa parole. May our God add his blessing to the reading of his word. Nous allons maintenant tous prier. We'll now all pray. Pour recommander ses services entre les mains du Seigneur. To commit the service into the hands of the Lord. Et pendant que nous prierons. And as we pray. Nous allons également présenter au Seigneur. We'll also present to the Lord. Toutes les requêtes qui ont été apportées ce matin. All the requests that were brought forth this morning. Et quand nous aurons prié. And after we prayed. Notre frère Serge Singa pourra conclure par un mot de prière. Where Serge Singa will close for the prayer. Prions tous ensemble. Let us pray all together. Seigneur, Créateur du ciel et de la terre.
Père éternel, une fois encore, nous te disons merci. Heavenly Father, once again, we say thank you. Toi qui avais connu ce jour dès avant la fondation du monde, you who knew this day before the foundation of the world, tu as permis que nous puissions venir en ces lieux. You allowed us to come in this place. Pas, ô Dieu, venir autour d'un homme. Not to come around a man. Mais nous réunir autour de ta parole, Seigneur. But to gather around your word. Et comme David pouvait le dire, and as David could say, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. I'm rejoicing when they tell me let's go to the house of the Lord. Nos cœurs sont remplis de joie de notre vie en ta présence, Seigneur. Our hearts are filled with joy to find ourselves in your presence. Parce que nous savons qu'en ta présence c'est là que nous trouvons la solution à nos problèmes. Because we know that in your presence we find solution to our problems. Ta présence c'est là que nous trouvons réponse à tout ce que nous avons comme requête. In your presence we find answers to all our requests. Et en ta présence en ta gloire nous trouvons la consolation. In your presence we also find comfort. Et Père éternel, nous comptons sur ta grâce une fois encore ce matin. Lord, once again this morning, we're counting upon your grace. Et c'est que tu seras parmi nous pour nous parler d'une manière spéciale. That you will be in our midst to speak to us in a special way. Car nous croyons que tu as un message pourvu pour nous en ce jour, Seigneur. Because we believe that you have a message for each one of us today. Et c'est un message pour notre préparation, Seigneur. A message for our preparation. Assiste-nous pour que nous puissions réellement être attentifs à ce que tu vas nous dire ce matin. Help us that we may be attentive to what you will tell us this morning. Dispose nos cœurs et nos âmes, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Incline our hearts and our souls to listen enlève to your word. Enlève tout ce qui est de l'homme, Seigneur. Remove everything that is of the man. Que tu descendes parmi nous et que tu prennes contrôle sur chaque chose. May you come down in our midst and take control of everything. Parle tout droit à nos âmes, Seigneur, à nos cœurs. Speak directly to our souls and to our hearts. Et transforme-nous, Père éternel. And transform us. Car ta parole est une épée à double tranchant, Seigneur. As your word is a double-edged sword. Que cette parole nous façonne en ta façon, Saint Tout-Puissant. May your word shape us as you like. De sorte qu'en sortant de ces lieux que nous ne soyons plus les mêmes. In such a way that leaving this place we may not be the same. Nous humilions devant toi, comptant uniquement sur ta grâce, Père. We humble ourselves before you, counting upon your grace only. Action de gloire, si nous regardons nous-mêmes, nous serons des hypocrites, oh Because Dieu. Because if we look at ourselves, we will only be hypocrites. Nous te prions de pouvoir nous regarder au travers de ton sang précieux. We pray that you may look at us through ce sang qui a été versé à la croix pour nous. The blood that was shed for us on the cross. Car si tu nous regardais avec tes yeux saints, personne ne peut s'éteindre devant toi. Because if you look at us directly with your holy eyes, nobody can stand before oh you. Oh Dieu de miséricorde, puisses-tu te souvenir de chacune des requêtes parmi nous. Merciful God, may you remember each request in our midst. Nous te prions que tu te souviens spécialement de notre frère Benny. May you remember especially Brother Benny. Souviens-toi des frères Mwamba et frère Kazadi. Remember Brother Kazadi and Brother Mwamba. Souviens-toi de tous nos bien-aimés dans le besoin en ce moment. Remember all our brothers and sisters who are in need right now. Il y a notre frère Archange et la famille Sainte-Gloire qui ont perdu Sainte-Gloire, un membre de famille chère. Brother Archange and his family lost a family member. Que tu puisses les consoler et les fortifier, oh Dieu. May you comfort them and strengthen them. Car tu es le véritable consolateur, Seigneur. Because you are the true comforter. Sois au contrôle et parle-nous ce matin, Seigneur. Take control and speak to us this morning. Bénis ton serviteur et utilise-le comme un micro pour nous, Seigneur. Bless your servant and use him as a microphone to de speak to us. De sorte qu'en sortant de ces lieux, que nous puissions réellement dire, Éternel, nos cœurs brûlent, donne-nous quand tu nous parlais. In such a way that going out from this place, we truly say that our hearts were burning merci within de us ce que tu vas le faire. Thank you because you'll do it. Car nous avons prié ainsi avec foi. Because we just prayed in faith. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. In the name that's above all names. Au nom de Jésus Christ. Amen. Our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir. You may be seated. Nous allons chanter un cantique. We'll sing a song. Avant de pouvoir inviter le prédicateur du jour. Before we can invite the preacher for the day. We sing number 41. Let me walk, bless the Lord, in the way thou hast gone, leading straight to the land above, giving cheer everywhere to the sad and the lone, fill my way every day with Jesus. Close to the side of my Savior and God.
from wrath and my soul satisfied. Fill my way every day with Jesus. Joy. Fill my way. Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly God. Let me go all the while with the song and the smile. Fill my way every day with love. Soon the race will be all and the trouble no more, but abide in my home above. Let me sing blessed hymn all the way to the shore. Fill my way every day with Jesus. Fill my way. Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly dove. Let me go all the while with the song and the smile. Fill my way every day. As I walk with the heavenly dove, let me go all the while with the song and the smile. Fill my way every day with God. This is the day, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. Nous saluons l'Église dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. May the Lord bless you richly. Que le Seigneur vous bénisse richement. I think Brother Michael said that we need to remember Brother Gerard and Brother Matthew. Je pense que le frère Michel a mentionné de se souvenir du frère Mathieu. Il allait rencontrer le frère Gerard en Angleterre. Et ensemble, Dieu voulant, ils vont aller en Afrique. Probablement également à Kolwezi, si tout va bien. Zimbabwe, en Zambie. Donc ils ont salué l'Église. Prions pour eux. Ce sera une bonne expérience pour le frère Mathieu. D'aller voir ces grandes églises en Afrique. I would like if we can sing one song, a wonderful Savior, just maybe two verses. Que nous puissions chanter un cantique, un Sauveur merveilleux, peut-être deux refrains. So as you heard, Sister Joelle is back. Please, those who can go and visit, or you can call, it will be very nice. Comme vous l'aviez appris, la sœur Joelle est de retour. Ceux qui peuvent appeler, rendre visite, cela serait bien. Ça fait plus ou moins deux mois. Donc, nous disons merci à Dieu, elle va bien. I don't know if you still remember Brother Josué was lost
his mom. Je ne sais pas si vous pensez au frère Josué qui a perdu sa maman. Si vous avez essayé de votre mieux d'appeler et réconforter notre frère. And they told you also that brother Archange has lost his uncle. Le frère Archange également a perdu son oncle. Apparently the family has been very affected. Apparemment la famille a été très affectée. So afflicted, yes. So please just call them also to comfort even sister Rita. It would be nice to do so. Appelez-les pour les réconforter, de même que la sœur Rita. So let's go with the song, brother. a wonderful Savior. A wonderful Savior is Jesus my Lord. A wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. My Lord, he hideth my soul in the cleft of the rock, the shadows and the dry, the still land. He hideth my life in the depths of his love, covers me there with his hand, and covers me there with his hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. My Lord, he hideth my soul in the depth of the rock, the shadows and dry the sea land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. I forgot also the request. I don't know, did you say about Sister Élisée, her son is sick. This is why she couldn't come. J'ai oublié une requête concernant la sœur Élisée. Son fils est malade. C'est pourquoi elle n'a pas pu venir. La sœur Elena également. Son enfant également malade. Donc, il a été contaminé peut-être par un autre enfant. Nous devons penser à eux dans la prière. And also, I would like to remember Brother Dwayne, the brother from South Africa, Sister Teresa's son. J'aimerais que nous pensions également au fils de la sœur Thérèse, le frère Dwayne, really to undertake for him. Que Dieu puisse l'aider. So I would like if you can stand for the reading. J'aimerais que nous puissions nous lever pour la lecture. We're reading in the book of 2 Timothy chapter 4. Nous lisons dans 2 Timothée le chapitre 4. Du verset premier. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. But you, be watchful in all things, endure afflictions,
and do the work of an evangelist, fulfill your ministry. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. But not only to me, but also to all who have loved his appearing. And verse 10, it says, Demas has forsaken me, having loved this present world. So you see, having voyez, loved this present world, in other words, apparemment pour le siècle présent, en d'autres mots, world, à cause de l'amour du siècle présent, me. Il m'a abandonné. He is gone. Il est parti. May the Lord help us, que le Seigneur nous aide take heed à prendre garde what we are hearing. À ce que nous écoutons. Prions. Almighty God and ever faithful. Dieu Tout-Puissant, toujours fidèle. In the mighty name of our Lord and the Savior Jesus Christ. Dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. We take in this opportunity one more time. Nous saisissons cette opportunité une fois encore. To say thank you for your love and mercy. De dire merci pour ton amour et ta miséricorde. For the work of Calvary. Pour l'œuvre du calvaire. And for the bread of life that it pleased you to give to each and every one of us this morning. Et pour le souffle de vie qu'il t'a plu de donner à chacun de nous ce matin. While we know that all over in the world, pendant que nous sachons que partout dans le monde, many people like us, plusieurs comme nous, may be better than us, peut-être meilleurs que nous, had the same plan like us, avaient les mêmes plans que nous, but couldn't make it for this day, mais qui n'ont pas pu voir ce jour. Because the Bible says, car la Bible dit, no one has got the power to retain his breath of life. Nul n'a le pouvoir de retenir son souffle de vie. Lord, we are so thankful. Seigneur, nous sommes si reconnaissants. Help us not to be profane. Aide-nous à ne point être profane. Really, to consider that every single day is the day of grace. Mais considérer que chaque jour est un jour de grâce. So we can try to redeem the time. En sorte que nous puissions racheter le temps. The more we see the day approaching. D'autant plus que nous voyons le jour se rapprocher. We thank you for everything. Merci pour toutes choses. Remember the request that we have brought to you. Souviens-toi de toutes les requêtes que nous t'avons apportées. Even the unspoken one, même celles qui n'ont pas été even mentionnées. Though that we have forgotten, celles que nous aurions oubliées. You know all things. Tu connais toutes choses. And be our portion. Sois notre portion. So that coming out of this place, en sorte que quittant ce lieu, we, all of us, we must be rejoicing, tous nous puissions nous réjouir. Truly the Lord is visiting us. Disons véritablement le Seigneur nous a visités. Bless us. Bénis-nous, and anoint us, oint-nous, and give grace to the preaching, donne grâce pour la prédication, and also to the hearing, ainsi que pour l'écoute, undertake for all things, aide en toutes choses, from now until the end, dès maintenant jusqu'à la fin, in the precious name of our Lord and the Savior Jesus Christ, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi que nous avons prié avec reconnaissance. Amen. Amen. Prenez place. So, Paul saying, I have fought. Donc Paul dit, j'ai combattu the good fight, le bon combat, the good fight of faith, le bon combat de la foi, and I finished the race, et j'ai fini la course, I kept the faith, et j'ai gardé la foi, and now the crown of righteousness is being prepared, waiting for me. Et maintenant, la couronne de justice m'est réservée. And he said, not only for me, et non pas seulement à moi, all those who love his coming, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Truly, there will be a crowning ceremony. Véritablement, il y aura un couronnement. God is not like a man. Le Seigneur n'est pas comme un homme. God knows all things. Dieu connaît toutes choses. And there is nothing that you can do or you are doing, my brother, my sister. Il n'y a rien que vous pouvez faire ou que vous faites, mon frère, ma sœur, que vous accomplissez pour le royaume, to the brothers and sisters, ou bien en faveur des frères et sœurs, because of the Lord, au nom du Seigneur, that God can forget. Que le Seigneur puisse oublier. Even when we are just faithful somewhere,
Même quand vous êtes fidèle quelque part, vous attachant à la parole de Dieu, sans faire des compromis dans diverses situations, mais vous attachant à la parole de Dieu, souvenez-vous que Dieu dans le ciel veille sur vous, Dieu connaît, et Dieu vous récompensera. C'est ce que dit la Bible. In connection with, you know, the crown. En connexion avec le couronnement, il dit ceci. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Le Bible dit. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée le chapitre 2. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Verse 5. And also, if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. Amen. So, we are not going to be crowned if we don't compete according to the rules. Si nous n'avons pas combattu selon les règles, il y a des règles. In the kingdom of God, dans le royaume de Dieu, there are rules in order for us to receive the crown. Il y a des règles pour être couronné. And it says also, et il est également dit Paul, in 1 Corinthians chapter 9, par Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthians chapter 9, it says this. Same thought. C'est la même pensée. 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Verse 24. Le verset 24. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do this to obtain a perishable crown. But we, in other words, let us do the same, en d'autres termes, but for faisons de même imperishable crown. Pour une couronne incorruptible. So, you see, there vous voyez, there are rules. Il y a des règles, there are principles, des principes in the kingdom, dans le royaume, in order for us to receive the crown. Afin que nous puissions recevoir des couronnes. Ce ne sera pas une chose où chacun reçoit une couronne. C'est pourquoi il est très important pour nous de pouvoir comprendre how God has comment before us Dieu all the rules and the principles a établi devant nous toutes les règles et principes afin que nous puissions être couronnés. The first aspect they say, le premier aspect, on dit those who love is coming, à ceux qui aimeront son avènement. There is a second aspect, il y a un second aspect still in connection with this, toujours en connexion avec cela, disons those who are waiting for him to come, ceux qui attendent sa venue. And we're going to read, nous allons lire God is very, very precise. Vous savez combien Dieu est précis. In some translation it says, dans certaines traductions, il est écrit those who eagerly are waiting for him to come. Ceux qui l'attendent avec empressement. God is very precise. Dieu est précis. And the third aspect, et le troisième aspect, he says to those who will be ready. Ceux qui seront prêts. So, as we started last time, to speak about those who love is coming. Comme nous avons commencé à parler la fois passée de ceux qui aiment son avènement, nous avions dit ceci le mercredi, even in this life, que même dans la vie, sometimes you can go to an office, des fois vous pouvez aller à un bureau, you want somebody to help you, vous avez besoin d'aide some situation, dans une certaine situation, ou bien vous voulez obtenir des informations. You can see,
Vous pouvez voir, quand une personne veut véritablement vous aider, il va essayer de faire de son mieux pour vous assister, parce qu'il veut vous aider. Mais de fois, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va juste abréger les choses et dire, non, il est temps, on va fermer, donc des réponses brèves, juste pour vous... repousser. Et vous pouvez voir que la personne n'avait pas l'intention de vous aider. Quand quelqu'un veut vous aider, vous allez voir qu'il va essayer de son mieux. Même s'il ne parvient pas à vous aider, vous verrez qu'il a voulu le faire. Plusieurs personnes connaissent que le Seigneur revient. Connaître que le Seigneur revient est une chose. But to love is coming, mais it's another thing. Aimer sa venue est une autre chose. To know he's coming, it's one thing. Savoir qu'il revient est une chose. But to be eagerly waiting for him to come, mais l'attendre avec empressement en est une autre. To know he's coming, it's one savoir thing. Qu'il revient est une chose. But to be ready, it's another thing. Et être prêt est une autre chose. So God who loves us very much, Dieu qui nous a tant aimés, il a pourvu pour nous afin que nous puissions savoir si vous voulez avoir part à cela. Sans doute, la Bible dit, si vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité des morts, croyez également qu'il revient. C'est sans doute, il n'y a pas de doute à cela. Le Seigneur revient. And when he's coming back, et lorsqu'il revient, then things are going to take place. Alors il y a des choses qui vont se passer. It will be a glorious day. Ce sera un jour glorieux for those who are going to go, for pour us ceux to be going, qui vont être enlevés pour nous. But it will be a day of weeping for those who are going to miss it. Ce sera un jour de pleurs pour ceux qui vont manquer l'enlèvement. As we're going to explain when we'll start speaking about, you know, the time. Comme nous allons l'expliquer, quand nous allons parler de temps. Brother, can you just bring to us that picture with the seven church ages and also where we can see what we are waiting for. So for now, maintenant, we are waiting for the return of the Lord Jesus Christ. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Sometimes when you hear the denomination people when they are preaching. Des fois, quand vous entendez les dénominationnels prêcher, des fois, ils vont essayer d'expliquer certaines choses. You can see that people, they are just confused. Et vous verrez que les gens sont troublés. You hear people, they are saying, les gens disent the bride will go through tribulation period. Que l'épouse passera par la tribulation. No, the bride is not going to go through tribulation. Non, l'épouse ne va pas faire face à la tribulation. When you look to the plan here, quand vous considérez le plan ici, so you see, vous voyez this is when the Lord came, he was born and he died for us. Ici, c'est lorsque le Seigneur vint et mourut pour nous. And we have got 2000 years. Et nous avons 2000 ans. Nous sommes vraiment à la fin. Et j'aimerais rappeler quelque chose. La plupart du temps, lorsqu'on parle de la fin de temps, les gens ont tendance à croire que c'est maintenant la fin des temps. Non. La fin des temps a commencé lorsque le Seigneur est venu. C'était déjà les derniers jours. Mais ici, c'était le matin des derniers jours. Et là, nous sommes au soir des derniers jours. Dieu est très précis. So the last day didn't start today. Les derniers jours n'ont pas commencé aujourd'hui. Then this can give us an idea. Alors ceci nous donne une idée. To tell you how close we are now. Pour nous montrer combien nous sommes proches maintenant. Already when the Lord came, it déjà, was the last day. À la venue du Seigneur, c'était les derniers jours. C'est ce que dit la Bible. Let us just read a few scriptures quickly. Lisons quelques écritures rapidement. Look already in at the Pentecost. Voyez déjà à la Pentecôte. When the Holy Spirit came, look what lorsque le Saint-Esprit descendit, Peter said, voyez ce que dit Pierre dans les livres des Actes, le chapitre 2. It says this.
Acts chapter 2. Acte chapitre 2. Verset 17. Let's start from verse 15. 15. These are not drunk because when the manifestation of the Holy Spirit started. Parce que lors de la manifestation du Saint-Esprit. The people they thought they were drunk. Les hommes pensèrent qu'ils étaient ivres. For these are not drunk as you suppose, since it is only the third hour of the day. But this is what was spoken by the prophet Joel, and it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out of my spirit on all flesh. You understand? In the last days. Dans les derniers jours. Now here also. Ici également. Remember the last time when we spoke. Souvenez-vous que la fois passée quand nous avons parlé. I told you speaking about to waiting for him to come and all those things. Je vous ai parlé par rapport à sa venue. We are entering the realm. The ground of revelation. Que c'est un domaine de révélation. In the kingdom of God, it takes revelation. Dans le royaume de Dieu, la révélation est de mise pour écouter for certaines instance, choses. Par exemple, it says, il est écrit this is what has been spoken by the prophet Joel, que c'est ce qui fut annoncé par le prophète in Joël the last days, que dans les derniers jours, but when you read in the Bible, mais quand vous lisez dans la Bible, le prophète Joël il n'a pas dit dans les derniers jours. Vous voyez pourquoi. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui peut interpréter les Écritures. Cela requiert le Saint-Esprit. You see, let's go there. Joel chapter 2. Allons dans Joel chapitre 2. Joel chapter 2. The book of Joel chapter 2, the Bible read. Joel chapitre 2, la Bible dit. Verset 28. Then you can see how it takes God, the Spirit of God, the Holy Spirit to understand the Scriptures. Et vous verrez comment il faut le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre les Écritures. It says this, Joel chapter 2. Joël 2, verset 28. It shall come to pass afterward. This is what it means. C'est ce qui est écrit. How can you understand après it cela, after that? Comment est-ce que vous allez what? Comprendre après cela? Afterward, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Then you understand why the Lord spoke to his disciples by saying. Alors vous comprendrez pourquoi le Seigneur parlant à ses disciples dit. I have got many things to tell you. J'ai plusieurs choses à vous dire. But you can't bear them now. Mais vous ne pouvez les porter maintenant. Wait for the Holy Spirit to come. Attendez la venue du Saint-Esprit. When the Holy Spirit will come. Quand il viendra. He will make you to understand those things. Il vous fera comprendre ces choses. Do you see? Voyez-vous? The Holy Spirit will make you to understand. Le Saint-Esprit vous aidera à comprendre. This is why. C'est pourquoi. People are in confusion today. Les gens sont confondus, troublés aujourd'hui. Because without the Holy Spirit, you can't get a right understanding. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez avoir la bonne compréhension. So, then the Holy Spirit when came. Quand le Saint-Esprit vint, il les aida à comprendre that cela. What Joel was speaking about. Que ce dont Joël parlait. Concerning that time. Concernait ce temps-là. In the last days. Dans les derniers jours. So the last days. Donc les derniers jours ont commencé when the Lord Jesus Christ was born, déjà avec la naissance du Seigneur dans le Nouveau Testament. This is the dispensation. Et c'est la dispensation that the Lord has given to the Gentiles. Que le Seigneur a donné aux so nations. You see now, vous voyez maintenant. Now when you read, we read this in Joel. Nous avons lu dans Joël. J'aimerais lire plusieurs écritures afin que nous puissions comprendre cela. Quand le Seigneur lui-même naquit, voyez ce qui est écrit dans Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1, il dit ceci. Luc, chapitre 1. We can start from verse. Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1. Verset
Let's start from verse 20. Commençons verset. As he spoke by the mouth of his holy prophet, who have been since the world began, that we should be saved from our enemies and from the hand of all who hate us, to perform the mercy promised to our fathers and to remember his holy covenant, the oath which he swore to our father Abraham, to grant us that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve him without fear in holiness and righteousness before him all the days of our life. This is still valid today. Ceci demeure valide jusqu'à aujourd'hui. After deliverance, après la délivrance, when we have been delivered, lorsque nous avons été délivrés et que nous avons eu expérience de la croix, then this applies. Alors ceci s'applique. We need for the rest of the days of our life, nous devons maintenant pour le reste des jours de notre vie in holiness, servir le Seigneur dans la sainteté et dans la droiture. Now listen, and you child will be called the prophet of the highest. For you will go before the face of the Lord to prepare his ways, to give knowledge and salvation and to his people by the remission of their sins, through the tender mercy of our God, with which the day spring from on high has visited us. In other words, the rising sun, le soleil levant. Do you understand? Vous suivez? So that period of time, cette période de temps-là est appelée dans la Bible the rising time. C'est le temps du lever du soleil. Morning of the last days. C'était le matin des derniers jours. It was the morning of the last days. C'était au matin des And derniers here jours. We are in the evening of the last Et maintenant, days. Nous sommes au soir des derniers jours. So God knows how to do things. Dieu sait comment we faire les choses. Nous pouvons écrire plusieurs écritures. Je pense que c'est dans 1 Pierre, le chapitre 1. Voyez ce qui est écrit. 1 Pierre, le chapitre 1er. Il est écrit ceci. I would like to start from verse. Let's just go straight to verse 18. Knowing that you are not redeemed with corruptible things like silver or gold from our aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifested in this last time for you. Do you understand? So when you take all the scripture together, then quand vous mettez les écritures ensemble, cela vous donne une idée. The Bible says in this last time, this last days. À la but fin when du Jesus temps, was manifested, is there? Mais quand Jésus fut manifesté, so c'était see, là. Vous voyez. The last days from there. Donc les derniers here, jours, c'est de là jusqu'ici. But here it was in the morning, mais ici, c'était au matin. Evening, et ici, c'est au and soir. The Bible said in Zechariah chapter 14, et dans Zacharie, chapitre 14, in the evening dit, time, vers le soir, there shall be light. La lumière paraîtra. In other words, the en light terme, that was there in the morning, la lumière qui était au matin, it is the same light that you must have in c'est the la même lumière qu'on a au temps du soir. Then it's only after that this c'est is après cela. This marks the rapture. Ceci marque l'enlèvement. Then you see the time of grace for et the Gentiles. Vous voyez over. Que le temps de grâce pour les gentils but enfin. Tribulation doesn't start yet. Mais la tribulation ne commence then pas immédiatement. To see, et au-dessus, vous after voyez, the seven church ages, après les sept âges we de l'Église, are nearly the end here. Nous sommes à la fin. Then after this, et après cela, there will be three half and a year, three half and a il y a years. Deux périodes de 3 ans et demi. For the
For the two prophets, pour les deux prophètes who are going to preach to the Jews, qui vont prêcher aux Juifs in order to seal the 144,000. Afin de pouvoir sceller les 144,000. Then after the tribulation period. Et après cela commence la tribulation. So you see how God set things. Donc vous voyez comment Dieu so a établi look les choses. Where the tribulation period started. Vous voyez où a commencé la tribulation. It can't be while we still, ça ne peut être pendant que nous sommes encore sur terre. Why? Because of the Holy Spirit who is still in the bride. À cause de la présence du Saint-Esprit qui demeure dans l'épouse. Et c'est là que cela aura lieu. Et revenons à notre sujet, comme nous l'avons dit, concernant ceux qui auront aimé son avènement. Nous avons parlé de la reine du Midi, la reine de Séba. Le Seigneur dit, il était en train de réprimander les pharisiens dans Matthieu chapitre 12. Il est écrit ceci. Le verset 42. The queen of Sheba of the south will rise up in the judgment with this generation and condemn it, for she came from the end of the earth to hear the wisdom of Solomon. And indeed, I, the greater than Solomon, am here, nothing happened. Moi, le plus grand que Salomon, je suis présent et rien ne se passe. She was an unbeliever. Elle était incroyante. She was not a Jew. Elle n'était pas juive. But now the Lord is saying, et look maintenant, what le Seigneur happened dit, to her. Voyez ce qui lui arriva. When really you want to do something, quand vous voulez faire quelque chose, vous le ferez. We don't do it. Vous ne le faites pas we don't have the parce que vous n'avez pas la motivation de le faire. At that time, et en ce temps-là, she was a queen. Elle était une reine. There was no cars as it is il n'y avait pas de véhicule comme aujourd'hui with aircon, avec de l'air conditionné, le chauffage et they tout cela. On camels. C'était à dos de chameau. I don't know how much miles was je ne sais pas combien de kilomètres c'était how long it took them to get et combien de temps cela leur a pris. Imagine, not imaginez, only that, et non pas seulement cela, she didn't get to Jerusalem, elle n'est pas parvenue à Jérusalem and ask them, et leur demander take me to the shop, I want to buy non, something. Amenez-moi no. dans les magasins pour acheter quelque chose. So, do you understand? Vous comprenez from where she was already, d'où elle était as she was minded, comme elle avait la pensée after hearing après avoir entendu le témoignage de Salomon qu'il y avait un Dieu qui pouvait faire cela, elle étant des nations, elle voulait aller voir d'elle-même. Quelle erreur insensée les gens commettent aujourd'hui. Ils se contentent de ce qu'on peut leur raconter. Ils ne viennent pas s'enquérir d'eux-mêmes. Mais elle y allait individuellement pour pouvoir découvrir la chose. Et comme nous l'avons dit encore, elle voulait y aller. Ce n'était pas proche. Ce n'était pas un voyage que vous faites le matin et vous revenez le soir. Ce n'était pas un voyage d'une journée, non. Ça lui a pris des mois pour pouvoir y parvenir. Et c'était avec une foule de personnes. Mais parce qu'elle avait à cœur, et le Seigneur nous parlant dit, il veut que nous puissions également prendre garde à toutes les promesses qui nous ont été données. Dieu veut que nous puissions prendre garde. Elle était vraiment attentive. Et disons que s'il y a un Dieu qui peut faire pareille chose, elle a préparer des cadeaux qu'elle devait offrir à Salomon. Parce qu'elle était prête. Elle ne pouvait pas croire qu'il y avait un homme qui pouvait être ainsi. Ceux qui montrent qu'il y a un Dieu qui peut faire cela. Donc vous voyez, la foi est positive. Oui. Nous devons apprendre, la foi est positive. Mais toutes ces choses doivent être drivées doivent être conduits, poussés par la révélation. Quelque chose doit vous convaincre intérieurement. Quelque chose doit vous dire intérieurement, vous convaincre d'y aller. Voici la vérité. Et ceci, quelque chose doit vous convaincre. Et pas vraiment le prédicateur.
Nous, les prédicateurs, on prêche. If we believe this message, si vous croyez que ce message, because it's Brother Branham, vous croyez au message parce que c'est le frère Branham qui l'a apporté, or because I read ou bien parce que vous avez lu assez, I can believe today, je peux croire aujourd'hui and tomorrow back off. Et demain, je me retire. We need to get to a point whereby, nous devons parvenir au point où it must be the spirit of God himself, ce doit être l'Esprit de Dieu lui-même, bear witness with our spirit, qui rend témoignage à notre esprit. It must be the spirit of God, ce doit être l'Esprit de Dieu that convinces you, qui vous convainc. When the preacher man is preaching, quand le prédicateur prêche, they are speaking about the elect, on parle des élus. The spirit of God must tell you inside, l'Esprit doit vous dire intérieurement, I am an elect, que je suis élu. Amen. This is the way it should be. It c'est comme ça qu'il you doit can't en être. Explain, vous ne pouvez expliquer la chose. But it's just, you are just convinced. Mais vous êtes convaincu de la chose. When the Shunammite, quand la femme Shunammite, she saw Elijah was going and preaching, a vu Élie qui allait prêcher, Elijah didn't come, Élie n'est pas venu vers elle et se présenter. You know who I am? Tu sais qui je suis. I'm Elijah. Je suis Élie. I'm Elijah, sorry. Et je suis Élisée. Je m'excuse. Je suis homme I'm de Dieu. To preach. No. Et je vais prêcher. Elijah was just going, Élisée allait coming back, et revenait. And going, il allait and coming et back, revenait. Now she said, et elle a dit, I perceive. Je pressens. Amen. I perceive something. Je pressens. Quelque chose me dit this man que cet homme is a man of God. Est un homme de Dieu. You remember what the Bible says? Vous vous souvenez ce que dit la Bible? We read it also last time. I think it must be in Isaiah. Nous l'avons lu la fois passée. C'est dans Isaïe. Isaiah chapter. Let's see. Isaiah chapter 38. Isaïe chapitre 30. Isaiah chapter 30. Look what it says. Voyez ce qui est écrit. J'aime comment cela est dit. Look what it says. Isaiah chapter 30. Isaïe chapitre 30. It says this. Il est écrit ceci. Verse 18. Le verset 18. Therefore, the Lord will wait that he may be gracious to you. And therefore, he will be exalted, that he may have mercy on you. For the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for him. For the people shall dwell in Zion and Jerusalem. You shall weep no more. He will be very gracious to you at the sound of your cry. When he hears it, he will answer you. And though the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, yet your teachers will not be moved into a corner anymore. No. They are not going to be hidden before you. No. Ils ne seront plus cachés. But your eyes shall see your teachers. Now listen. Écoutez maintenant. Your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk on it. Amen. So, donc, this is the ground of revelation. C'est un domaine de révélation. Quelque chose te dira. This man is a man of God. Cet homme est un homme de Dieu. As we said it many times, comme l'avions dit plusieurs fois, we're coming from Africa. Nous venons de l'Afrique. We never been here before. Nous n'avons jamais été ici avant. But we just mais received the message books. Nous avons reçu les brochures de révélation, les cassettes. Il y a des prédicateurs qui sont venus prêcher, us, mais certains de nous, they just, you know, maybe a peut-être, piece of paper. Il a eu un morceau de papier that was cut off from somewhere, qui était coupé de quelque part, a portion of the message, et il a lu une portion du message, something striking. Et quelque chose l'a frappé. Oh. Then he went back. I want to read the whole book. Il va, il demande le livre entier. C'est comme ça que certaines personnes ont cru au message. So how can you say that? Alors comment pouvez-vous dire cela? They haven't been even in a meeting. No. Il n'a même pas été dans une just rencontre. From somewhere he got quelque a piece part, of paper. Il a eu un morceau de papier. Il dit and que c'est vraiment intéressant. He said, no, it makes sense. Et il dit que non, cela est censé. It's not, it makes sense. Ce n'est pas que cela est censé, mais c'est parce que vous êtes élu. The Bible says, la Bible dit, God has chosen us, Dieu nous a choisis depuis avant la fondation du monde. And he has equipped et us already. Il nous a équipés d'avance. I would like to read a little few things here. J'aimerais lire quelque chose ici with the brother Frank. Avec le frère Frank.
what it says here. Voyez ce qui est écrit ici. This is a circular letter from March 2013. La lettre circulaire de mars 2013, où il parle de l'élection et de la prédestination. You know, as it says in Ephesians chapter 1, comme vous le savez, selon Ephésiens chapitre 1er, as it says, I would like if we can read it. J'aimerais que nous puissions lire cela. Ephesians chapter 1. Ephésiens chapitre 1. Ephesians chapter 1, the Bible. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, and so forth. Having predestinated us to adoptions as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Now look what it says here. Voyez ce qui est écrit ici. Car ceux qu'il a connus d'avance, those that he foreknew, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. He also predestined to be in the image of his son. Afin que son fils fût so that le premier his son né can be the firstborn entre plusieurs frères. Of many brethren. Et ceux qu'il a prédestinés, those he foreknew, il les a aussi appelés. He also called. Et ceux qu'il a appelés, and those he called, il les a aussi justifiés. He also justified. Et ceux qu'il a justifiés, those he justified, il les a aussi glorifiés. He glorified. As it's written in the book of Romans chapter 8. Comme cela est écrit dans Romains chapitre 8. Verse 29 and 30. Le verset 29 et 30. Ceci est la destinée des élus. This is predestined for the elect, the chosen one. Avant que la terre existât, before the world was made, le paradis, the paradise, la chute de la race humaine, the fallen of the mankind, avant encore que le temps ne commençât, even before the beginning of the time, Dieu avait déjà prédestiné tous les élus. God had already predestined all the elect. Il les avait choisis. He chose them. Il les avait séparés. He separated them. Il les avait consacrés. He consecrated Il them. Il les avait sanctifiés. Sanctified them. En Jésus Christ. In Jesus Christ. Ah, this is quite something. Ceci est vraiment impressionnant. When we understand those things, quand nous comprenons ces choses, the Lord did it already for le Seigneur us a fait cela d'avance pour nous. This is why you can see someone. C'est pourquoi que vous voyez, vous pouvez voir with quelqu'un the message book he read, avec un livre du message. Il peut lire et la Bible dit. La profondeur appelle la profondeur. Something will tell you, quelque chose vous dira. This is the truth. Voici la vérité. But with the same scriptures, mais avec les mêmes écritures. We get it to someone. Vous pouvez les donner à quelqu'un d'autre qui n'est pas élu. No, no, we'll stumble. Il va s'achoper. No, you know how they say all the time. Vous savez ce qu'ils disent à But chaque Jesus instant. Himself said this. Jésus-Christ lui-même a they dit ceci. Stuck. Et ils they s'accrochent à cela. Ils ne peuvent avancer. This thing, it's just beyond et our ceci understand. Au-delà de notre compréhension. So the Shunammite woman, la Tsunami, she told her husband, elle dit à son mari, I perceive, je pressens, I just feel, je ressens, I just see, je vois this man que cet homme is a man of God. Est un homme de Dieu. Do you understand? Vous voyez. She didn't have any Bible. Elle n'avait pas de Bible. She didn't have any vision. Elle n'avait pas eu de vision. But somehow something just Mais told her like quelque this. Chose lui a dit cela. Now listen to this. Maintenant écoutez ceci. This is where we are talking about. C'est de quoi nous parlons. She didn't just sit like this. Elle ne s'est pas mis said, en retrait no, et disant, je pressens que c'est un homme de Dieu. I will pray for the man of God. Et je vais no. prier pour l'homme de Dieu. Non. Because of that revelation that she had, mais à cause de la révélation qu'elle a reçue, inside, quelque chose l'a poussée intérieurement. Please, man of God, homme de Dieu, we invite you to come, nous t'invitons à venir. Come by, viens chez nous. You can eat your food, tu peux manger ta nourriture carry on. Et tu peux continuer Do you ton voyage. Voyez-vous? She did it.
Elle a fait cela. It was not enough. Et cela n'était pas assez. She came to the husband. Elle est allée vers son mari. We can do better. Je pense que nous pouvons faire mieux. Why she did this? Et pourquoi est-ce qu'elle a fait cela? Because she was convinced. Parce qu'elle était convaincue that this man, que cet homme, he was a man of God, était un homme de Dieu. Who told her that? Qui lui dit cela? She didn't go to school. Elle n'est pas allée à l'école. But somebody, mais quelqu'un, it was the spirit of God. C'était l'esprit de Dieu. This is the revelation. Voici la révélation. Came to her, la révélation lui fut donnée, la convaincue. Then this man, et is a man of God. Cet homme est un homme de Dieu. Then, et alors, she goes on, et let us make prepare a place. Elle a préparé une place. So, en sorte this que man can come, cet homme puisse venir. When he's listening, when he comes, he want to prepare his quand il veut se préparer, préparer sa prédication, he can come and eat the food, il peut venir manger. And he can go et meditate, il peut aller méditer and rest. Can et se reposer. Imaginez-vous nobody cela. Told her to do so. Personne ne lui a demandé nobody. De faire cela. Personne. The deep call upon the deep. La profondeur appelle la profondeur. And this is the ground of revelation. Et c'est un domaine de révélation. Even when we are coming here, même lorsque nous venons ici, you need the revelation from God, vous avez besoin de la révélation divine. Afin de croire Branham, que le frère Branham this is the messenger of c'est the seven le messager du septième âge de l'Église. Regardless, many people they say, plusieurs personnes disent but they, it's not written. Non, ce n'est pas écrit. Sorry. It's not written. His name is not written. Son nom n'est pas mentionné dans la Bible. Do you understand? Vous suivez? But when you speak about, Judah, mais quand vous parlez de Judas, comme le dit la Bible, cet homme de la perdition. Mais quand vous allez dans l'Ancien Testament, son nom n'était pas écrit. Mais dans le Nouveau Testament, quand l'Esprit de Dieu vient, alors vous voyez que toutes choses avaient été dites d'avance. Parlant de Judas, comment est-ce que la chose devait arriver? Donc, mais il prend l'Esprit de Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre ces choses. Lisons le psaume 69. Commençons dans le psaume 41. Voyez ce qui est écrit, c'est dans les psaumes, in the Old Testament, dans l'Ancien Testament, long time before, longtemps avant. Look now it says there, voyez ce qui est écrit. I think it must be verse 10. Je pense que c'est le verset 10. Psalms 41, verse 10, what it says there. But you, O Lord, the merciful, which verse is this one? I think verse 9. Le verset 9. In the English verse 9, in the en anglais et dans la Bible française, c'est au verset 10. Even my own familiar friend, in whom I trusted, who ate my bread, he has lifted up his heel against me. Do you understand? Vous suivez? Only the Spirit of God, rien que l'Esprit de Dieu it, peut vous aider à comprendre cela. Et dans l'Ancien, le Nouveau Testament, written, on peut dire comme cela était écrit, spoken, comme cela fut annoncé. This, mais quand vous lisez cela, Judas, on ne dit pas que c'est Judas. But it was about him. Mais c'était concernant Judas. Now when you go to, I think, Psalms 69, et quand vous allez dans le psaume 69, je pense, psaume 69, it's not our subject yet. When I will speak ce n'est pas notre this, sujet. We can come back to this, for us to understand. Nous y reviendrons quand nous allons parler. Commençons dans le verset 20 quelques. Verse 26. For there,
here in English, it, I think it's verse 25. Let their dwelling place be desolate. Let no one live in their tent, for they persecute the ones you have struck, and talk of the grief of those who have wounded. Add iniquity to their iniquity, and let them not come into your righteousness. Let them be blotted out of the book of the living, and not be written in with the righteous. So, but I am poor and sorrowful and so forth. So in French, dans la Bible française, it says, quand vous lisez cela, il est écrit ceci. Que leur demeure singulière. Que leur demeure. May their dwelling. It's singular. It's a singular. Donc au singulier. But now, I mais think ici, go to si nous allons dans chapter, le livre des Actes, Actes chapitre 1er. C'est juste pour vous montrer quelques pensées quand il en vient à la révélation. C'est pourquoi quand quelqu'un a le véritable Saint-Esprit, cela va le ramener aux Écritures. Qu'est-ce qui est écrit quand Pierre parlait de ces choses? Verset 18. Purchased a field with the wages of iniquity, and falling headlong, he burst open in the middle, and all his entrails gushed out. And it became known to all those who dwell in Jerusalem, so that field is called in their own languages, Alkeldema or whatever, that is a field of blood. For it is written in the book of Psalms, let his dwelling place be desolate, and let no one live in it, and the other take office and so forth. Brother, frère, it not says that it was him there. Il n'était pas écrit que c'était Judas. Le nom de Judas n'est pas mentionné. But you see how the spirit mais can vous take voyez a comment l'Esprit peut prendre quelque chose et connecter cela à quelque chose. So the same, et de même, when the Lord spoke to, quand le, Saint, to the le Seigneur a parlé aux disciples, go and baptize them in the name allez, of the Father, baptisez-les the dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. But remember, told them, mais il leur a dit, wait for the Spirit to come, attendez la venue du when Saint-Esprit. The Lord Spirit will come, quand le Saint-Esprit viendra, will teach you all things, il vous enseignera toutes choses. It will remind you everything. Et vous rappellera ces choses. So, it's the Holy Spirit when it came, donc, quand le Saint-Esprit it's vint, the Holy Spirit who can put things c'est le Saint-Esprit in place. Qui peut mettre les choses en place. Amen. Only the Holy Spirit can rien do que le Saint-Esprit peut faire yes, cela. We can take many examples. Nous pouvons prendre plusieurs Brother exemples. Frank explained this thing very, very nice. Le frère Franck a expliqué ces choses très bien, vous voyez. And in the French book, et dans le livre en français, in one side they speak, d'une part, on parle his dwelling, singular. De sa, leur demeure. But in another place it says, de sa demeure au singulier. Ah, leur demeure. Et of many. Dans un autre paragraphe, on dit then, people, plusieurs demeures. It's not, no, et les gens disent, il n'en est pas le cas, mais c'est la showing même chose, montrant que his dwelling, it's about him. Sa demeure, c'est concernant lui. Sorry. And their dwelling, et leur demeure. It means ça veut dire many who are going to act like him, plusieurs qui agiront comme lui, il leur en arrivera de this la même manière. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour avoir la compréhension. So, coming back to our subject, revenons à notre sujet. So, this lady, she was inspired, cette dame fut inspirée. She was led by the Holy Spirit. Et elle fut conduite par le Saint-Esprit. She did what she did. Elle a fait ce qu'elle fit. She said, no. You are not just going to pass. Disant, now stay here. Tu ne vas pas juste passer. She asked the husband, rester ici. They made avec ready son mari, a room. Ils ont préparé une chambre for Elisha, pour Élisée. Where it can be coming où il pouvait going. Venir et se retirer. Now look another et thought. Maintenant, voyez une autre pensée. Most of the time, la plupart du temps,
With us human being, avec nous les hommes, I just say yes. Je dis oui, so I want you to make you happy. Parce que je veux te plaire. Oh, yes. Okay, oui, ok, you know, je suis d'accord. Spécialement quand vous invitez les gens à venir à l'église. Non, number. Pas de problème, je viendrai, donne-moi le numéro de téléphone. You see, just vous voyez, c'est juste pour s'amuser. But here it was not. Mais ici, il n'en était pas le cas. I want to emphasize on this. J'aimerais insister sur she cela. Really meant what she was saying. Elle a vraiment Amen. Mis en pratique ce qu'elle a dit. When we speak about the coming of the Lord, quand nous parlons de la venue we du Seigneur, must really love his coming. Nous devons véritablement aimer son avènement. And whenever you do something, et quand vous faites quelque chose, you demonstrate what is inside. Vous devez démontrer ce qu'il y a en vous. Our acts. Nos actes, our word, nos paroles, our everything, toute chose, demonstrate what is inside. Doit démontrer ce how qu'il y a en nous. J'espère exactly. que vous comprenez cela. So much so, au point où, when the prophet of God, lorsque le prophète when de Dieu, Elijah got inside, lorsqu'Élisée est entré dans la pièce, impressed. Il était très impressionné. Very well impressed. Impressionné très so positivement, see, voyez-vous. In other words, en d'autres termes, did not say with the word only. Elle n'a pas parlé en paroles seulement. As most of us we say, comme la plupart de nous everyone font. We always say, tout le monde dit, tout le monde dit, I love God. J'aime everyone. Dieu, tout le everyone monde le dit, I love God, j'aime love Dieu, God, I love j'aime God. Dieu, j'aime Dieu. But God who's looking in mais our heart, Dieu qui regarde can dans nos really cœurs, see that this one il peut voir que véritablement celui-ci même, because the Bible says, car la Bible dit, wherever is your treasure, où est ton cœur, where your love will où est ton your trésor, là sera ton cœur. Exactly. Où est ton trésor, your heart will be là there. Sera ton cœur. Amen. Because the deep call upon the deep. Car la profondeur appelle la profondeur. May the Lord help us. Que le Seigneur this nous aide. Is what the Bible says. C'est ce que dit la Bible. In Colossians chapter 3, dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. It says this. Il est écrit ceci. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on the things above and not on the things on the earth. So you see, vous voyez, the deep call upon the deep. La profondeur appelle la profondeur. This is what the Bible is saying. C'est ce que dit la Bible. If really, si véritablement we died with Christ, nous sommes morts avec Christ and as he rose up, we et rose up tel qu'il est ressuscité nous sommes ressuscités avec lui en nouveauté let de vie affectionnons-nous Amen. Aux choses d'en haut exactly. let us set exactement our mind on the nous devons above. Nous affectionner aux choses d'en not haut on the things on the, on et non the earth, no. à celles qui sont sur la terre the things on the earth, car les choses de la terre pass away. Elles sont passagères Amen. So then you see when Elijah realized et quand Élisée a réalisé really she made it, que véritablement she did elle a it fait cela heart, du profond de son cœur, elle a fait venir, la femme. Que veux-tu que nous puissions you know faire pour answer? Toi? Vous connaissez sa réponse? You know, nothing. Rien. Do you want assistance? No, I'm amongst veux-tu my people. De l'assistance? Non, all je vis well. Parmi mon peuple et tout va so, bien. She didn't do it. Elle ne l'a pas fait with some behind the motive. Avec certains motifs ultérieurs. This is why, my c'est pourquoi, brother, précieux frères, we as believers, nous, en tant que croyants, everything that we are doing, tout ce que nous faisons, let us make sure nous devons nous rassurer positive que nous mind. Puissions avoir l'esprit positif everything, dans toutes choses. We must see what nous devons voir behind it. Quel motif est en train we de nous animer. Motive. Nous devons avoir des motifs purs, holy motive behind des motifs saints derrière chaque action. We are not looking to please any man. Nous ne recherchons pas à plaire no, à un homme. This is gone already. Non, ça c'est déjà every passé. Of us, chacun de we nous, must just working hard nous devons travailler for dur the well-pleasing of our God. Pour être agréable à Dieu. Amen. Because he is the one parce qu'il est le seul the crown. Qui va nous couronner. The Bible says, la Bible dit, no one can we can receive a crown nul ne peut être couronné if he didn't fight according to the rules. Sans avoir combattu selon les règles. So there are principles. Donc il y a des principes. There are rules il y a des règles in the kingdom of God. Dans le royaume de in Dieu. Order for us to get there. Afin que nous puissions être couronnés. As a result, Elijah said, et comme résultat, Élisée dit so you don't like anything? Okay. Donc tu ne veux rien. Then
The servant of Elijah said, et le serviteur d'Élisée lui dit, they don't have children. Ils n'ont pas d'enfants. Okay. Next year you have a child. Il dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. She didn't ask for that. Elle n'a pas demandé cela. And the Bible says, et la Bible dit ceci. Let's go to Psalms, 37. Dans Psaume chapitre 37. Psalms 37. Look what the Bible says. Voyez ce que dit la Bible. Sometimes we don't get enough blessing. De fois, nous ne recevons pas assez de bénédictions. Because we are not fighting according to the rules. Parce que nous ne combattons pas selon les règles. Psalms 37. Psalm 37. Voyez ce qui est écrit. Psalms 37. The Bible reads. Don't fret because of evildoers, nor be envious of the workers of iniquities, for they shall soon be cut down like the grass, and the water as the green herbs. Trust in the Lord and do good. So you see, trust in the Lord and do good. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. God is expecting us, Dieu s'attend à ce que to trust in the Lord, nous puissions nous confier en l'Éternel et pratiquer toujours le bien. Now listen. Écoutez maintenant. Dwell in the land and feed on its faithfulness. God has given us a land. Dieu nous a donné un territoire. God has given us a ground. Il nous a donné un terrain. Remember, souvenez-vous. When you have got you know, like the pet, like dogs. Comme les animaux, les chiens. As long as the dog is in his yard. Aussi longtemps que le chien est dans sa parcelle, master, la parcelle de son maître, il est très fort. But whenever he goes out, mais dès qu'il quitte, he's weak. Il est faible. We the same. Et nous de même. As long as we are in the ground, God-given ground. Aussi longtemps que nous sommes dans les territoires donnés par Dieu. God-given land. La terre donnée par Dieu. God given territory, le territoire donné par Dieu. We are strong. Nous sommes forts. The devil can't do le diable ne peut rien But contre when nous. We step out, mais dès que nous allons en dehors, remember, he can knock you down. Souvenez-vous, il peut vous mettre à terre. Do you understand? Vous suivez. God doesn't change. Dieu ne change pas. We have gone, even the people of Israel. Même le peuple d'Israël, you know, vous le savez, God has given the promised land. Dieu leur a donné la terre as promise. Israel was in the aussi promised longtemps land, qu'Israël demeurait dans la terre strong, promise, Israël blessed. Était fort, Israël était béni. Out, et chaque fois qu'ils allaient en dehors de la terre promise, ils avaient des problèmes. Souvenez-vous même d'Abraham, le père de la foi. Souvenez-vous d'Elimelech avec sa femme. De même. So the same with us. Il en est de même avec nous. Our strength, notre force, as long as we are in God-given ground. Elle demeure aussi longtemps que nous sommes dans le territoire donné par Dieu. And then, et we can win the battle. Nous pouvons vaincre because it's God-given ground. Car c'est dans les territoires donnés now par it Dieu. Says, et il dit, verse 4, delight yourself 4, also in the Lord and he shall give you the desires of your heart. I hope that you see the difference. J'espère here. Que vous voyez la différence ici. The Bible says, la Bible dit, whatever you're going to ask in the name of the Lord, tout ce que vous demanderez en mon nom, it will be given to you. Vous sera donné. Whatever you ask, tout ce que vous demandez, in the name of Jesus Christ, dans le nom de Jésus-Christ, we believe, nous le croyons, God is going to give it to us. Que Dieu nous le donne. But here, mais ici, the Bible doesn't say that, la Bible ne dit pas, he will give you what you ask for. Qu'il vous donnera ce que vous demandez. No, this is another place. Ici, c'est un when autre domaine. Quand vous allez John chapter 15, dans Jean chapitre 15, we'll come back to Psalms, eh? Nous allons revenir John au psaume dans Jean chapitre 15. John chapter 15. John chapter 15. Look Jean what 15. Verse 7. If you abide in me and my word abide in you, you will ask whatever you desire and it shall be done. So this is another promise. Ceci est une autre promesse. If you abide, si vous demeurez en him, moi,
And he abides in us. Et que je demeure en vous. When you ask something, quand vous demandez quelque chose, le Seigneur vous l'accorde. So it gives us already an idea. Cela nous donne une idée. My dear brother and sister, chers frères et sœurs, it is in your own benefit. C'est dans votre bien. It is my own benefit. C'est pour mon bien. To do what God wants us to do. De faire ce que Dieu demande. Because when you will be in need, parce que quand vous serez dans when le besoin, you will be in need, when you ask him, quand vous lui demandez, he can give us. Il peut vous donner cela. Because we, parce que we abide in his word. Vous demeurez dans sa parole. But in Psalm 37, mais dans le psaume 37, it's more than that. C'est plus que cela. Let's go back again. Retournons dans le psaume. It says this. Il est écrit ceci, verse 4. Au verset 4. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Amen. Only by doing what God wants us to do, rien qu'en faisant ce que Dieu veut, verse 3, le verset 3. Trust in the Lord and do good. When we trust in the Lord, quand vous vous confiez en l'Éternel, and we do what is good, et que vous faites ce qui est bien right et juste aux yeux Don't de forget, Dieu, n'oubliez pas cela. As the Lord told them already in the tel que le Seigneur a dit dans Deutéronome chapitre 6, Deutéronome chapitre 6, le verset 17. You shall diligently, not just anyhow, pas n'importe comment, diligently, mais diligemment, taking it to heart, prendre la chose à cœur. You shall diligently keep the commandment of the Lord your God, his testimonies and his statute, which he has commanded you. So, as believers, en tant que croyants, we must take it very seriously. Nous devons prendre cela très we au sérieux, heart, prendre à cœur right de faire ce qui est droit et bon aux yeux de Dieu. And it says, et il est écrit, as he has commanded you. Tel que tu l'as prescrit, le verset 18. And you shall do what is right and the good in the sight of the Lord your God, that it may be well with you, and that you may go in and possess the good land of which the Lord swore to your fathers. Amen. If you want really God to bless you, si vous voulez que Dieu puisse vous bénir in your life, dans votre vie, spirituellement, matériellement, everything that you want, dans tout ce que vous voulez, the Bible says, la Bible dit, let us learn, que nous devons apprendre diligently, à observer avec diligence, very mindful, exactly, avoir la chose à cœur, to do what is right, de faire ce qui est bon et juste aux yeux de Dieu. By doing that, en faisant cela, we are just doing a favor to ourselves. C'est du bien que nous nous faisons à nous-mêmes. So, as we see the Tsunamite woman, comme nous le voyons avec la femme Tsunamite, comme résultat, even what she didn't ask, même ce qu'elle n'a pas demandé, she didn't ask anything, elle n'a pas demandé, elle n'a demandé rien, elle a fait she wanted to do it. Parce qu'elle voulait le faire. And you could see that et vous pouvez voir que véritablement she elle voulait le faire. Elle avait la chose à cœur. Sometimes you can say no, et de quoi vous pouvez dire, c'est comme si on vous force, you do a patch work there, vous faites un travail à moitié, rapidement là. When the man of God came in and saw quand the way it l'homme was, de Dieu est venu et a vu, il était impressionné. May the Lord help us to understand. Et que le Seigneur nous aide à comprendre. When the Holy Spirit can come, quand le Saint-Esprit peut venir, visitez votre cœur, voir ce à quoi vous pensez, voir ce à quoi vous pensez par rapport à sa venue et ce que vous faites so en rapport avec pleased. Cela, le Seigneur peut être satisfait. About. Voilà de quoi nous parlons. The queen of South, as la we say, reine du Midi, comme nous l'avons dit, she came with a crowd of people. Elle est venue avec une foule she de gens already there et elle a préparé d'avance the gifts. Les dons. So you see, she was mindful. Vous voyez qu'elle avait la chose à she cœur. Wanted to go. Elle voulait y aller. Nobody forced to go. Personne ne l'a forcée d'y aller. Amen. Nobody has forced the Tsunamite personne to do what she a did. Forcé la Tsunamite no. à faire ce qu'elle fit. Non. By revelation, par révélation, she was convinced, elle fut convaincue she wanted to do it, et elle voulait faire quelque chose et elle le fit. To the extent, au point où the Lord is rebuking the Pharisees. Le Seigneur est en train de réprimander les pharisiens. The Pharisees, they were religious people. Les pharisiens étaient religieux. They were not unbelievers. Ils n'étaient pas incroyants. But look how the Lord said. Mais voyez ce que le Seigneur he leur dit. Said, I'm here,
Je suis là. As if I'm not here. Et c'est comme si de rien n'était. Mon frère, ma soeur, may the Lord help us. Que le Seigneur nous Let aide. Us not this fall on you and me. Que ceci ne tombe Where pas sur vous et moi. Où le Seigneur puisse as dire, if I'm not here. Je suis là, mais c'est comme si de rien But n'était. Mais quand cette when femme she heard païenne about the wisdom of Salomon. Avait entendu parler Look, de la sagesse de Salomon, How many miles she traveled Voyez combien de kilomètres elle a voyagé pour Look y parvenir. Les conditions dans lesquelles Look elle a voyagé, considérez tout cela, mais elle a fait. Pourquoi? Parce qu'elle voulait y aller. Amen. She had a desire. Elle avait un désir. So God is expecting Donc, you and me Dieu s'attend à ce que vous et moi like is coming, nous puissions aimer son avènement. Nous puissions désirer to cela. Like, nous puissions aimer cela. And this must be demonstrated. Et ceci doit être démontré. So she didn't go there Donc elle n'y est pas allée les mains vides. She went there with the Mais gift elle y est allée avec des dons. We know the story. Et nous connaissons toute l'histoire. And the Bible uses it Et la Bible utilise cela comme référence. I'll have to take another one. J'aimerais prendre un autre exemple. This is, remember with Jericho. Ceci c'est avec Jéricho, souvenez-vous. In Joshua chapter 2. Dans Josué chapitre 1er. Joshua chapter 2. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. It says this. Il est écrit ceci. We know the whole story. Nous connaissons l'histoire entière. Now Joshua the son of Nun send out two men. From Acacia Grove to spy secretly, saying, "Go view the land, especially Jericho." So they went, and they came to the house of a harlot named Rahab, and they lodged there. And it was told the king and so forth. We know this story. Nous connaissons cette histoire. C'est une histoire étrange. Imagine how they went just to her. Imaginez comment est-ce qu'ils sont allés jusque chez la dame. Many people went to Jericho. Combien de gens y avait à Jéricho? Jéricho était une grande ville. But they went there. Mais ils se sont allés And chez elle. Et c'était une prostituée. So you see with God, vous voyez avec Dieu, don't look to what we were, ne what regardez we pas were, à ce que vous are, étiez, à ce que vous êtes. Let us just look to what he did regardez à ce que Dieu a fait pour nous. Because we are not saved Parce que because of our works. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Bien que nous croyons que nous devons faire ceci, cela, mais nous devons savoir que nous sommes sauvés par grâce. Le salut est par grâce, mais les œuvres que nous faisons sont l'appréciation de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et nous sommes en train de répondre à cela. Vous comprenez? C'est l'expression de notre appréciation. C'est pourquoi nous faisons cela. Les œuvres. Quand l'amour est véritable, il doit également y avoir les œuvres. Maintenant, ce que je dis, c'est ceci. Le verset 3. Send to Rahab saying, bring out the men who have come to you, who have entered your house. For they've come to search out all the country. So somehow, d'une certaine façon, when she did it, quand elle a fait, the news went to the king. La nouvelle est parvenue jusqu'au roi. It was Mon enough frère, for her to say, c'était assez pour dire, I don't like to be in trouble. Je ne veux pas des problèmes. No, they are there. Go. I wanted to help you. Non, je But voulais vous see, aider, mais vous voyez, non, je ne peux pas vous aider. Autrement, j'aurais des problèmes. What a lesson Quelle leçon to us today. Pour nous aujourd'hui All the risk Tous les risques she took. Qu'elle a pris. Imaginez cela. But what is behind it, mais ce qui est au-delà de cela, souvenez-vous, we are in the ground of revelation. C'est dans le domaine des révélations. Something inside, quelque chose à l'intérieur d'elle l'avait convaincue this is your last chance. Que voici ta dernière chance. She was a harlot. C'était une prostituée with all those things. Avec toutes ces But choses. Somehow, mais d'une certaine manière, le Seigneur n'est pas venu sauver les justes. He came to save us, Il est venu sinners, nous sauver, les pécheurs, from the mud and the soul. Venant de la terre. Il est venu nous sauver. So, again, you can Et see, encore une fois, vous But voyez look how
the deep comment the deep. La profondeur appelle la profondeur. She responded. Elle a répondu à cela. Who told her that? Qui lui a dit cela? Nobody told her. Personne. Except God himself. Si ce n'est que Dieu lui-même. Inspiration. L'inspiration the lui, leading of the spirit. La conduite de l'esprit. She was convinced. Elle était convaincue. No, this is my last chance. Que voici ma dernière chance. No, I'm not going to miss this. Je ne vais pas manquer cela. Now look the risk. Et considérez le risque. King sent the people. Le roi a fait envoyer imagine des gens. If they could just imaginez catch them in a house. Si on pouvait les surprendre what dans sa maison. To her? Qu'est-ce qui devait lui arriver? She was done. C'était fini pour elle. Look all the risk that she took. Voyez le risque qu'elle because a couru. Somehow, parce que d'une certaine façon, quelque chose l'avait convaincu intérieurement. This is que the end of God. Voici la main de I Dieu. Mean, this is the end of God. C'est la main de there Dieu. Was no way. Now, as a result, et comme résultat, listen to this. Écoutez ceci. Then it says in verse, et il est écrit, and it happened that the gate was being shut when it was dark and so forth. Verse 6. But she had brought them up to the roof and hidden them with the stalk of flax, which she had laid in the order of the roof. Verse 7. Then the men pursued them by the road, of the Jordan, to the ford. And as soon as those who pursued them has gone out, they shut the gate. Now, before they let down, she came up to them and at the roof, and said to them, "I know, I like this." J'aime cela. I know that the Lord has given you the land, and the terror of you has fallen on us, that all the inhabitants of this land are faint-hearted because of you. I like this. J'aime I know. Cela. Je sais. Who told her that? Qui lui a dit cela? She was a harlot. C'était une prostituée. She was not a Jew. Elle n'était pas juive. I know. Je sais. The Lord your God, l'Éternel votre Dieu has given you this land. I vous a donné ce pays. In other words, en d'autres mots, je pressens. In other words, something tells me, quelque chose me dit. There you are. Voilà. The deep call upon the deep. La profondeur therefore, appelle when la profondeur. We come in here, c'est pourquoi quand nous venons ici, venons avec attente. When you don't have expectation, quand vous n'avez pas d'attente, vous allez sortir les mains vides parce que vous n'avez aucune expectation. God is powerful. Aucune expectative. The Dieu est puissant. Wherever God is, où Dieu se trouve, there are things that are taking il y a des choses presence. Qui se produisent dans sa présence. But it's up to you and up to mais me. Tout dépend de vous, tout dépend de moi. It's our faith c'est notre foi that can make qui the mighty peut hand of God to move. Faire à ce que la puissante main de of Dieu course. Puisse œuvrer. Look what she said, vous voyez I know. Ce qu'elle dit, je sais. Who told her that? Qui lui dit cela? I know. Je not sais. Only that. Et non pas seulement cela. Continuons. Then she said, that was verse. I know that the Lord, verse 9. Then, verse 10. Le verset 10. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to the two kings of Amorite and who were on the other side of Jordan, Sihon and Og, whom you utterly destroyed. As soon as we heard these things, our heart melted. Neither did you remain any more courage in anyone because of you. For the Lord your God, I listen to this. Écoutez for ces the choses. Lord your God is God in heaven above and on earth beneath. Ah, brother. Frère. Who told the divinity? Qui lui a appris la divinité? Today, look how people are struggling. Aujourd'hui, vous voyez comment les gens ont des difficultés people sur la are going divinité. To how they call it again? Théologique. To the theology, les gens qui vont to learn aux écoles théologiques, so apprendre no, la théologie, voyez. Studied, les gens qui ont étudié. I don't think that je ne pense pas que cette dame a étudié, quoi que ce soit. Today, voyez, aujourd'hui, dans cette génération moderne, studied, les gens qui étudient, qui sont allés à l'école years, pendant des années Bible, et qui lisent so la Bible de part et d'autre, et ils sortent de cette école Trinity, avec la Trinité.
trois en un, etc. Look how they are confused. Voyez comment ils sont confondus, troublés. Jésus-Christ lui-même a dit, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est trois en un. But this is a harlot. Mais ça, c'est une prostituée, a pagan. Une païenne, from nowhere. De nulle part. She never been to the school of theology. Elle n'a jamais été à une école théologique. Let me read it again. Laissez-moi relire cela. Then he said, "For the Lord your God is God in heaven above and on earth beneath." Ah, a pagan, une païenne, une prostituée. But this is the revelation God himself gave to them. Ceci est la révélation que Dieu lui-même leur avait donnée. Let's go to Deuteronomy chapter 4. Quand nous allons dans Deutéronome chapitre 4. Deuteronomy chapter 4. La Bible dit. Deuteronomy chapter 4. Let's go to verse. Nous pouvons commencer au verset 32. Non, 33. 33. Did any people ever hear the voice of God speaking out of the midst of the fire, as we have heard and live? Or did God ever try to go and take for himself a nation from the midst of another nation, by trials, by signs, by wonders, by war, by a mighty hand, and an outstretched arm, and by great terrors, according to all that the Lord your God did for you in Egypt before your eyes. 35. To you it was shown that you might know that the Lord himself is God, there is none other beside him. This is God himself speaking to his own people. Ah, c'est Dieu seul qui parle à son peuple. The Lord has chosen the people of Israel. Le Seigneur a choisi le peuple d'Israël. He is speaking to them. Et il s'adresse à eux. Revealing himself to them. Se révélant à eux. 36. Out of heaven, he let his voice and so forth. And 37. 37. And 38. 38. Driving out from before you nations greater and mightier than you, to bring you in, to give you their land and as inheritance as it is this day. This is God revealing to his own people. C'est Dieu qui se révèle à son peuple. There you are 39 peuple. Now. 39, voilà. Therefore, know this day. Amen. God is telling them. Dieu leur dit. The people of Israel. Au peuple d'Israël. Therefore, know this day. Sache donc en ce and jour. And consider it in your heart. That the Lord himself is God in heaven above. Amen. And on the earth beneath, there is no other. Today, this modern generation. Aujourd'hui, cette génération moderne. People are struggling with the divinity. Les gens ont des difficultés sur la divinité. Mais cette prostituée, de nulle part. Then Jericho. La Jericho. When they came. Quand no, ils God sont venus, so Dieu est si grand. She got the revelation. Elle a reçu la you révélation. See what I told you? Voyez-vous ce que this j'ai dit? C'est un territoire de la you révélation. Need to have a revelation. Vous avez besoin for de la révélation day, afin de pouvoir désirer la venue de Dieu. You see? Vous voyez? Now, this is what we read in the, c'est ce que nous avons lu dans Deutéronome. Exactly what she said. Exactement ce qu'elle a dit dans Josué chapitre 2. Verse 14. Le verset 14. Ah, non, not 14. It's verse 11. Le verset 11. And it says, anyway, because of you, for the Lord your God is God in heaven above and on earth beneath. Can you believe that? Imaginez cela. Elle n'était pas là. When the Lord was revealing it to lorsque le Seigneur révélait ceci au peuple d'Israël. The deep. La profondeur appelle la profondeur. You need the revelation. Vous avez besoin de la révélation. We need the revelation. Nous avons besoin de la révélation. In this ground,
in order for us afin que to desire his coming. Nous puissions désirer la venue du Seigneur, afin que nous puissions nous préparer, in order for us afin que to be waiting nous puissions attendre eagerly for him to come. Avec empressement sa venue. I don't know if you get the point. Je ne sais pas si vous saisissez today, cela. People, aujourd'hui, with degrees, il y a des gens diplômés after coming from theology and the après support, avoir été à des écoles théologiques. They miss it. Il manque la chose. This lady, cette dame, she's more, far more than them. Elle est plus with que no degree, sans diplôme, no philosophy, sans philosophie, but out of nowhere, de nulle part she comme said, ça. I know. Elle dit, je sais. The Lord, your God, le Seigneur votre Dieu vous a donné ce territoire. I know. Je sais. The Lord, your God, le Seigneur votre Dieu, is God in il est heaven, Dieu en haut dans les cieux and God on earth, et il est Dieu is, sur la terre. That's it. Et c'est words, tout. En d'autres no mots, il n'y a pas de Trinité. Ah, that lady, cette dame, a harlot, une prostituée, may the Lord help us. Que le Seigneur nous aide. Now look, maintenant, voyez look all the risk that she has taken. Tout le risque qu'elle a couru. They send the people. Ils ont envoyé des gens she vers elle them away. Et elle les a fait repartir, no, disant, in other words, leave me alone. Laissez-moi tranquille. But look what she did. Mais voyez ce qu'elle a fait. But God is not an unjust God. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Let us remember one thing. Souvenons-nous d'une chose. Faith, la foi, unite us to God, nous unit à Dieu and to God's word, et à sa parole. And belief, l'incrédulité, separate us from God, nous sépare de Dieu and from God's word, et de sa parole. Amen. And faith, la foi, is a demonstration, est une démonstration of the thing that we don't see, des choses invisibles. So you see that this lady, vous voyez que cette dame, she demonstrated. Elle a démontré really, que véritablement, she knew what she was looking for, elle savait ce qu'elle recherchait. She was ready to pay the price. Elle était prête à payer le prix. At any cost, à tout she prix. Was ready to go. Elle était prête à partir. Look how she took a chance. Voyez comment est-ce qu'elle a pris ce risque. This could turn ugly for her. Ceci pouvait tourner au vinaigre pour but elle. God was in the mais scene. Dieu Amen. Était dans la scène. God was in the scene. Dieu était God dans la was scène. On his side. Dieu était de son this côté. Could not happen. Et la chose ne pouvait arriver. Didn't stop there. Then elle ne s'est pas arrêtée là. She said this. Elle dit then ceci. Let's go. They told her what to do. On l'a instruit sur ce qu'elle devait faire. So she let them down the rope and so forth. And she said to them, get to the mountain and so forth. So the man said to her, verse 17. Le verset 17. We'll be blameless of this oath of yours, which you have made us swear. Ah, because she said something. Then she let them go there by the rope and in the city. And she said to them, get to the mountain and let's pursue you. And so forth, and pursue the retainer. After we go, I want to get where she said something. Ah, okay. Verse 13. Le verset 13. No, verse 12. 12. So now, therefore, I beg you, swear to me by the Lord, since I have shown you kindness, that you also will show kindness to my father's house. And give me a true token. And spare my father, my mother, my brother, my brothers, my sisters, and all that I have. And deliver out our lives from death. Christian life is not a selfish life. La vie chrétienne n'est pas une vie d'égoïsme. Amen. Do you understand? Vous it's suivez. Not selfish out. Ce n'est pas une vie égoïste. You see how she thought? Voyez-vous comment elle a pensé à son père, elle a pensé à sa mère, à ses frères et ses sœurs. Nous de même, frères et sœurs, nous devons désirer que tout le monde puisse connaître la parole de Dieu. Pas seulement nos frères dans la famille, mais les amis, les gens qui sont autour de nous, les gens que nous connaissons, etc. Vous voyez, elle voulait à ce qu'ils puissent être sauvés. S'il vous plaît, souvenez-vous remember de moi. Souvenez-vous house. De la maison de mon père. My souvenez-vous remember de ma mère this. Et tout cela. Then they say, et ils lui dirent, so the man answered her, our love so for yours, if none of you tell this business of ours, and it shall be when the Lord has given us the land that we will deal kindly and truly with you. Then she let them go down and so forth. So the man said to her,
will be blameless of this oath of yours, which you have made us swear. Unless, when we come into the land, you bind this line of scarlet cord in the window through which you let us down. And unless you bring your father and the mother, your brothers and your father's house to your own home, so it shall be that whoever goes out the doors of your house into the street, his blood shall be on his own head and will be guiltless. But whoever is within the house, and his blood shall be on our head if any hand laid on him. So if any will tell the business of ours, then we will be free from the oath which we have made to say. Now, then she said, according to your word, so it be. And she sent them away and departed. And she bound the scarlet cord in the window. Already another picture. Look how many pictures. Voyez combien de types dans cette histoire. You can see that she was convinced. Vous voyez qu'elle était convaincue. She knew what she was looking for. Elle savait ce qu'elle recherchait. Do you understand? Vous comprenez? But something was leading Mais quelque chose la conduisait. The leading of the Spirit. La conduite de l'Esprit de Dieu. The leading of the Spirit of God. La conduite will de l'Esprit bring de Dieu. Break always into the scriptures. Vous ramènera toujours As dans les I Écritures, said, comme je l'ai dit. She was not knowledgeable. Elle ne connaissait pas. She was a scarlet. Elle était But look une prostituée. It has been Mais revealed to her voyez comment to il know lui fut the true God. Révélé à connaître Why le Dieu véritable. They don't know who is God. Alors que beaucoup aujourd'hui ne Now connaissent pas qui asked, est Dieu. Please Et elle leur demanda, us. Sauvez-nous. She thought about a family elle a pensé à sa famille. My brother, my sister, Mon frère, ma soeur, we need to think about nous devons our penser family à nos membres de famille. We need to think about nous devons our penser friends. À nos amis. We need to think about our people penser surrounding us. À ceux qui nous entourent. Because this message, Car ce message this is the way out. Est la voie de sortie. This is the way out. C'est la voie de sortie. Otherwise, Autrement, tribulation period, La tribulation va vous frapper. What we are seeing today, it's not Ce que nous voyons aujourd'hui n'est rien. Those flooding here, Les inondations ici et là, China, everywhere there, en Chine, it's partout, nothing. Cela n'est rien. Really, the Véritablement, la colère de Dieu est approche. Et la seule voie de sortie, c'est par l'enlèvement. And now, Dieu nous aide. This. Et remarquez ceci. They told her, On lui dit, you see, whenever there is a covenant, quand il y a une alliance, Some, you keep this. L'une de parties observe ceci one, they will keep that. Et l'autre partie observe say, également. Il dit que nous allons observer But notre partie side. Et toi aussi tu vas observer Now ta portion de l'alliance. Say. Et voyez ce Everyone qu'ils disent. Must be inside. Tout le monde doit être à l'intérieur. My brother, my sister, Mon frère, ma soeur, to escape the wrath of pour God, pouvoir échapper à la colère de Dieu, inside. Nous devons être à l'intérieur. Not inside of the house, Pas à l'intérieur de la maison, mais en Christ. Amen. This is the hiding place. C'est ça le lieu We need to be de in Christ. Sécurité en Christ. This was represented ce qui était une représentation de l'arche. Do you understand? Vous We voyez, need to be in Christ. Nous devons être en Christ. This is the safety place. C'est le lieu de sûreté. Because they Parce ask, que ils ont demandé they ask the Lord, au Seigneur when he told them about the, quand il leur a parlé the rapture. De l'enlèvement. Then they say, Where is going to be? Il leur dit, où est-ce que He sera says, Seigneur? Is the body, Il dit, où est le corps? Where the eagle are getting Là s'assemblera les aigles. Amen. So, may Donc, the Lord help us. Que le Seigneur puisse nous aider. They must be inside, Ils doivent être à l'intérieur and not outside. Et non pas à l'extérieur. In the time of the Passover, Au temps de la Pâque, they have to be inside, ils devaient être à l'intérieur and they have to apply the blood. Et ils devaient appliquer le sang. When the angel was going, Quand l'ange passait, they had to see only the blood. Ils devaient voir le sang. Everything was, everyone was supposed to be inside. Tous étaient supposés être à l'intérieur. May the Lord help us. Que le Seigneur nous We aide. Need to be inside, nous devons être à l'intérieur in Christ. En Christ. Scellé du Saint-Esprit. Et c'est par le scellement du Saint-Esprit que nous pouvons être dans le corps de Christ. Quand on lui dit ce qu'il fallait faire, elle n'a pas dit « Ok, je vais attendre. Le jour où je les vois venir, alors je vais attacher cela. » Non. Dès qu'ils sont descendus, elle a attaché ce ruban.
Do you understand? Vous comprenez? As soon as they left, dès qu'ils ont quitté, she put it in. Elle a attaché cela. Desperate. Elle était désespérée. We need to get in a situation. Nous devons également être poussé à bout. J'aimerais donner un autre exemple maintenant. Ceci a une grande signification, bien que toutes les autres ont une grande signification. Et celle-ci est un type de salut. Il est question de Ruth. Souvenez-vous, nous parlons de la couronne ne me sera pas donnée à moi seulement, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il est question d'aimer son avènement. C'est pourquoi nous sommes en train de donner tous ces exemples de la Bible afin que nous puissions comprendre avec Ruth. Let's go a little bit there. The book of Ruth chapter 1. Ruth, chapitre 1er. Just after Joshua. Juste après le livre de Josué. Okay, we know the story how they came. Nous connaissons l'histoire. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his two sons. You see, when they went there, they got in trouble. Quand ils y sont allés, ils ont eu des problèmes. They left because all the Jews they didn't leave. Parce que les Juifs, they didn't leave, tous. N'ont pas quitté Israël à cause de la famine. Mais lui, il a quitté et ils ont eu des problèmes. Et le verset 8 dit, et Naomi dit à elle, après avoir entendu que le Seigneur a visité un pays de nouveau, elle a dit, non, je dois rentrer. Donc elle a décidé de rentrer. Et Naomi dit à ses deux filles en law, go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you, as you have dealt with the dead and with me. The Lord grant you to that you may find rest, each in the house of her husband. So that he kissed them, she kissed them, and she lifted up their, they lifted up their voice, and wept. Then she said to her, they said to her, surely we'll return with you to your people. Ici également, j'aimerais que vous puissiez voir quelque chose. You see how Naomi spoke. Vous voyez comment Naomi very a parlé. Nice. Elle a bien parlé. Je vous souhaite le meilleur pour tout ce que vous avez fait pour vos maris et pour moi-même. I wish you the best. Je vous souhaite le meilleur. Que vous puissiez rentrer may the Lord give you grace et que le Seigneur vous donne la grâce de trouver un autre mari married. Et vous remarier. So this is what the Bible we need really to be careful. C'est pourquoi nous devons être prudents. Écoutez maintenant. Now, then they say no, no, we'll come with you. Elles dirent non, nous viendrons avec toi. Le verset 11. But Naomi said, turn back, my daughters. While you'll be going with me, are there still sons in my womb and so forth? Turn back, my daughters. Go, for I am old, and even if I can get a husband, I can't have children. You can't wait. So would you wait? Verse 14. 14. Then they lifted up their voices and wept again. And Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. So mystery does start unveiling. So you see. Donc vous voyez. She said. Elle dit. I wish you the best. Je vous souhaite le meilleur. Vous avez été bon à mon égard. Que le Seigneur soit so avec vous afin que vous puissiez trouver des maris. But she said no. Mais elle dit non. Come with me. Vous ne pouvez pas venir avec because moi it's too late. Parce que c'est trop tard, so etc. Then they say, okay. Et elles dirent, now listen. Écoutez maintenant. Then they say to her, surely, no. Verse 14, then the verse 14, and Orpah kissed the mother-in-law, but Ruth clung to her.
In other words, en d'autres mots, after Naomi insisted, après que Naomi insista, Orpah a pensé, oui, elle a raison, it makes sense. Cela est sensé. What are we going to wait for? Qu'est-ce que nous allons attendre? Let me just go, que je puisse rentrer, as she said, comme elle a dit, maybe I can find peut-être je peux trouver un autre mari. Do you understand? Vous suivez? Now look, mais maintenant, listen, voyez to the conversation now. La conversation. Verse 15. Le verset 15. Remember, Orpah went back, but Naomi didn't go back. Souvenez-vous, Orpah est rentrée, mais Naomi n'est pas Ruth, je veux dire. Elle n'est pas rentrée. So Naomi said, look, your sister-in-law has gone back to her people and to her God. Return after your sister-in-law. Now take this verse 15. Prenez maintenant le verset 15. And verse 9. Et le verset 9. Can you see the difference? Vous voyez la différence? In verse 9, she said, au verset 9, elle dit: best wishes. Je vous souhaite les meilleurs. Rentrez, que le Seigneur soit avec vous, que vous puissiez trouver repos dans la maison d'un mari. Et elle dit au verset 15, vois sa belle-sœur, elle est retournée vers son peuple, elle est retournée d'où elle est venue, et elle est retournée vers ses dieux. Ah, quelle leçon! Nous de même, dans notre marche, en tant que chrétien, en tant qu'homme, très facilement, nous sommes enclins à retourner à nos premiers dieux, les dieux qui ont dominé sur nous. Très facilement, nous retournons vers eux. C'est pourquoi nous devons être prudents. Mon frère, ma sœur, si vous avez été en prison, smoking cigarette, la prison de la cigarette, or alcohol, de l'alcool, or maybe girls, or boys, ou bien whatever, des femmes, des hommes, careful. Soyez prudents. Do you understand? Vous suivez? So only the eye of the prophet can pick up a story. Il n'y a que l'œil du prophète qui peut for you and me. Saisir des leçons pour look, vous et moi. Man, so easily, voyez, going back l'homme where we came retourne from. Si facilement d'où il est venu. We are inclined to et nous sommes enclins à faire cela. May the Lord help us. Que le Seigneur nous aide. This is why we need to be careful. C'est pourquoi nous devons être prudents. That's what the Bible speaks about. La Bible parle de cela. The dogs. Disons le chien. It means the ça dogs veut dire has returned le chien qui est retourné à ce qu'il a vomi. As we said it many times, nous l'avons dit plusieurs fois. And one of the brother, I think, brought it up also. L'un des frères l'a mentionné également. I think it was the brother Gerard. Je pense que c'était le frère Gérard. We said about those things sometimes. Nous parlons de ces choses about de fois. The profiles, les profils the cell phones, sur vos téléphones. About just Christian life. La vie chrétienne. You see, you go and fetch to from the airport a brother. Vous allez chercher un frère à l'aéroport. Il a mentionné cela. He's a very nice brother. C'est un frère qui est and très bon. And so il est chaud. And you know he's a brother. C'est and un frère. Come to church and il so vient forth. À l'église. Just wait a little bit. Attendez juste un peu. When he come to know America, dès qu'il connaît les États-Unis, c'est fini. Il a disparu. Le frère a dit cela. May the Lord help us. Que le Seigneur nous aide. So you see, vous voyez. No, Paul said this. Paul dit ceci. Before that, I would like to read a little bit. Look what he says. Voyez ce qu'il dit. One of the scriptures that we read with the brother. L'une des écritures que nous avons lues avec le frère. Dans Actes chapitre 20. Acts chapter 20, the Bible reads. La Bible dit. Verse 18. Not only one day. Non, pas seulement une seule journée, mais de quelle manière je me suis sans cesse conduit avec vous. La vie chrétienne est une vie constante. C'est une vie qui est publique. C'est une vie quotidienne. C'est ça la vie chrétienne.
talking, everything. Dans votre langage, dans toute chose. C'est ça votre vie. You know yourself. Il dit que vous savez. Not as the brother was saying, pas comme le frère l'a dit. This example that he gave, cet exemple qu'il a donné. Brother, you're going to pick him up from vous allez prendre un frère à l'aéroport. C'est un très bon frère. Il vient à l'église à chaque instant et après cela, dès qu'il connaît les États-Unis, il disparaît. Non. Mais il y a besoin de constance. Et Paul dit ceci. Nous allons dans Philippiens, le chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. Look what it says there. Philippiens, chapitre 3. It says this. Il dit ceci. Le verset 17. Brethren, join in following my example, and not those who so walk as you have asked for a pattern. Amen. A Christian, un chrétien, we are a role model. Nous sommes des modèles. We are a source of reference. Une source de référence. Amen. It is a huge responsibility. C'est une grande responsabilité. He says, il dit, there he spoke in Acts chapter 20, he said, dans Actes chapitre 20, il dit, you know for yourself, vous savez, since the first day that I came, depuis le premier jour où je suis arrivé, how I conduct myself. Comment je me suis conduit. He could speak like this, il pouvait publicly. Parler ainsi publiquement. Then here, et ici, he says, the same Paul, look what he says. Le même Paul, voyez ce qu'il dit. Not only he says, take an example on us. Il dit que prenez comme exemple, comme modèle de conduite. Us, pas seulement nous. In all those who walk as you have you for pattern. Et ceux qui marchent selon le modèle que vous avez so, en nous. A Christian, un chrétien. We are a pattern. Nous sommes des modèles. We are God ambassadors. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. We are role model. Nous sommes des modèles de conduite. As Paul told, who's that? Timothy. Comme Paul le dit à Timothée, be a role model. Sois un modèle in word, en œuvre and in word, dans and le, in works. Le travail et dans l'œuvre de Christ et en parole. En parole, exactly. En parole et en œuvre. Et so, donc, an act. So you see, vous voyez. This is Christianity. C'est ça la vie chrétienne. We are role model. Nous sommes des modèles. Most of the time we forgot that. La plupart des fois, nous oublions it cela. Says, let me read it again, il dit cela. Laissez-moi lire le verset 17. Brethren, join in following my example, and not those who so walk as you have asked for a pattern. Not the neighbor. Et non pas le not voisin, le prochain, l'ami. Naomi, told, Naomi a dit told Ruth, à Ruth, look, vois, in other words, en d'autres termes, follow the example suis l'exemple of your friend. De ton ami. Non. Paul, says not like this. Paul dit, n'en we est pas le cas. Nous devons avoir les yeux sur ceux qui marchent selon le modèle. Follow me as I follow suivez-moi Christ. Tel que je suis Christ. So we mustn't do this. Nous ne devons pas faire les choses we mustn't pattern our life ou bien modeler notre vie with the world, avec le monde, with worldly people, avec les gens mondains, with worldly friends, avec les amis du monde. Non. Non. Naomi, said no. Naomi a dit non. In other words, en d'autres termes, elle, c'est ce qu'elle est. But me, mais everyone moi, is a peculiar people. Chacun peculiar est quelqu'un me. De particulier. Yes, everyone of us. Chacun de nous. You say, but look, mais vois, she is your sister, no? C'est ta belle-sœur. You go together, vous allez you ensemble, vous faisiez ceci et no, cela Naomi ensemble. Said no. Non, Ruth, said no. Ruth dit non. Do you understand? Vous comprenez? So, Ruth made up his mind. Elle a pris sa décision. Ruth has Ruth, taken a clean-cut decision. Elle a pris une décision claire et nette. Amen. Christian life, la vie chrétienne, we need to take up nous devons également prendre decision. Des décisions. We need to know what you are looking for, nous devons savoir ce que nous recherchons et ce que nous voulons. The first thing, la première Ruth chose stood firm. Est que Ruth était ferme. She took a decision. Elle a pris une décision. To go. À partir, to follow Naomi. À suivre Naomi. Amen. So, donc, Christian life,
la vie chrétienne, nous devons également prendre notre décision. Il y a une décision à prendre pour suivre Christ. Et le Seigneur dit, quiconque veut me suivre, il doit s'asseoir et considérer. Il doit faire un inventaire de ce qu'il veut faire. Que le Seigneur nous aide. Donc, vous suivez. Retournons dans les livres de Ruth, le chapitre 15. And she said, look, your sister-in-law has gone back to her God and her people. To her people and to her God. Return after your sister-in-law. No, Paul didn't say that just to return to the sister-in-law. Paul gave us advice. A donné conseil. We need to pattern. Nous devons nous modeler sur ceux qui marchent selon l'exemple, le modèle qu'ils ont donné, frères, sœurs. Si nous voulons imiter quelque chose, que ce ne puisse pas être le monde, que ce ne puisse pas être un frère ou une sœur qui est en dehors du chemin. Non. Ce doit être ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Elle a pris sa décision et après cela, et elle a travaillé en œuvre de sa, en fonction de sa décision. Elle a démontré. Lorsque nous prenons notre décision pour suivre Christ, nous devons démontrer cela par une vie qui s'accorde avec les Écritures. Souvenez-vous, le frère a parlé. Je pense que c'était le frère Lilanga. La foi est une démonstration. La vie chrétienne, nous devons montrer cela. Ces choses sont des réalités. Nous devons désirer la venue du Christ. Et la fois prochaine, nous allons parler de ceux qui l'attendent avec empressement. Et après, ceux qui sont prêts. Brother Frank said something le frère Frank dit également quelque chose. Look what it says there. Vous voyez ce qu'il dit? La seconde venue de Christ, the second coming of the Christ, et son retour promis, and his return promised, de Jean 14, 1 à 3, according to John 14, from verse 1 to 3, il revient pour tous les rachetés. He is coming back for all the redeemed qui l'attendent. Who are waiting for him. Exactly. Il revient pour tous les rachetés qui sont prêts. He's coming back for all the redeemed who are ready. Celles qui étaient prêtes à entrer avec lui dans la salle de noces. Matthieu 25, 10. Those that were ready entered with him in the wedding feast, according to Matthew 25, verse 10. Il revient pour tous les rachetés qui aiment son avènement. He's coming back for all the redeemed who loves his appearance. Et tous ceux qui auraient aimé son avènement, and those who love his coming, recevront la couronne de justice promise. They will receive the crown of righteousness. Le retour de Christ est très proche. The return of Christ is very near. Ce qui est important, what is important, est de retrouver réellement en chacun de nous, is to find in each one of us, ces trois critères. These three criteria. L'attendre, to wait for him, être prêt, to be ready, et aimer son avènement, and to love his return. Nous vivons dans le temps de l'appel à sortir. We are living in the time of the calling to come out. Conformément à 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. According to 2 Corinthians chapter 6, verse 18, 14 to 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Therefore, come out from among them. Et séparez-vous, dit le Seigneur. And be separated, say the Lord. L'ensemble de la prophétie de la fin des temps. The prophecy of the end time is coming to fulfillment before our eyes. C'est le temps duquel le Seigneur dit. This is the time of which the Lord says. Quand vous verrez ces choses arriver, when you will see these things come sachez take que le place, royaume de Dieu est proche. Know that the return of the Lord is very near. Luc 21, 28.
Luke 21:28, etc. May the Lord bless you richly. Que le Seigneur vous bénisse richement. May the Lord help us. Que Dieu nous aide. It mustn't be a theory. Ce ne doit pas être une théorie. Ce doit être une réalité in our lives. Dans notre vie. Christian life, la vie chrétienne it's a public life. Est une vie publique. It is a reality. C'est une réalité. To be a Christian, être chrétien, is to be a source, c'est être une source, a source of, inspiration. D'inspiration. It to be a role model. Être un modèle. Exactly. And we are constant. Et nous sommes constants. We know what you are looking for. Nous savons ce que nous recherchons. May the Lord help us. Que Dieu nous aide. I sing and I shout, oh Jesus came down and he lifted me up. He lifted me up from the deep miry grave. He planted my feet on the King's highway. And this is the reason I sing and I shout. Oh, Jesus came down and he lifted me up. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Nous allons chanter ensemble. Together we'll sing. Le cantique numéro 22. Number 22. Pendant que nous serons en train de méditer sur la parole. While we're meditating on the word. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of love sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my job is at last I laid down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to the Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trust is at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In the old rugged cross, stained with blood so divine,
wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. I'll cherish, so I'll cherish the old rugged cross till my job is at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. Till my job is at last I lay down, I will cling to the old rugged cross and exchange it someday. I invite you to stand. Après avoir entendu la parole de Dieu, after listening to the word of God, il est temps maintenant pour nous de pouvoir parler au Seigneur par le moyen de la prière. It is now our turn to speak to the Lord through prayer. Nous allons maintenant tous prier. We will now all pray. Et quand nous aurons prié, and after we've prayed, notre frère. Notre frère Gelor pourra conclure par un mot de prière. Brother Gelor will close with a word of prayer. Prions tous ensemble. Let us pray all together. Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole qui venait d'être apportée. C'est vrai, Seigneur, le temps que tu nous accordes maintenant, c'est le temps pour chacun de pouvoir se préparer. Car ton retour est proche, les événements dans le monde le certifient. Accorde-nous, Seigneur, la grâce pour réaliser cela et de pouvoir être, Seigneur, chercher de manière désespérée, Seigneur le Saint-Esprit, afin que nous soyons célestes, pour nous être prêts quand tu
Lord God Almighty. Encore une fois, nous te disons merci. Once again, we say thank you. Merci pour nous avoir réunis pour écouter ta parole. Thank you for gathering us to in order to listen to your word. Merci pour ta parole. Thank you for your word. Seigneur, Lord, tu veux que nous puissions être constants dans notre marche. You want us to be consistent in our walk. Et comme des hommes, nous sommes jamais constants. And as human, we are never constant. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons. That's why, Lord, we come. Demander que tu puisses nous faire grâce. Asking that you may give us grace. Que nous puissions être de ceux qui aiment ton avènement. That we may be of those who love your appearing. Que nous puissions être de ceux qui se préparent. That we may be of those who are preparing themselves. Que nous puissions être ceux dont tu trouveras prêt. That we may be of those that you will find ready. Seigneur, nous demandons ta grâce. Lord, we ask for your grace. Comme des hommes, des fois nous oublions. As human, we forget. Des fois nous pensons que nous connaissons, mais nous ne connaissons pas. Sometimes we think we know, but we don't. Et nous demandons que tu puisses nous donner aussi ta révélation. But we ask that you may give us your revelation. Que nous puissions pas, Seigneur, seulement faire des choses parce que nous avons écouté. That we may not do things only because we heard. Mais que nous puissions aussi être convaincus dans nos cœurs que c'est ta parole. But that we may also be convinced in our hearts that it is your word. Accompagne-nous, Seigneur. Lord, accompany us. Si sans toi, Seigneur, nous allons nulle part. Lord, without you, we are going nowhere. Mais la Bible nous dit. But the Bible tells us. Toi qui as commencé cette œuvre en nous. That you who started this work in us. Tu l'achèveras. You will bring it to fulfillment. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons confiance en toi. That is why, Lord, we trust in you. Car tu n'es pas un homme pour mentir. Because you're not a man to lie. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Or a son of man to repent. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Lord, thank you for what you've done for us. Bénis ton serviteur. Bless your servant. Bénis sa méditation. Bless his meditation. Bénis tout un chacun de nous. Bless each one of us. Regarde, Seigneur, nous sommes venus avec des attentes. Lord, we came with expectations. Nous sommes venus avec des requêtes. We came with requests. Puisses-tu, Seigneur, étendre ta main. May you stretch out your hand. Et touche tout un chacun. And touch each one of us. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui sont malades. Lord, remember those who are sick. Et puisses-tu, Seigneur, les guérir. And may you heal them. Ceux qui ont des problèmes compliqués. Those who have problems. Puisses-tu donner des solutions. May you grant solutions. Nous prions pour notre frère Archange qui a perdu son oncle. We pray for our brother Archange who lost his uncle. Puisses-tu, Seigneur, le consoler lui ainsi que toute sa famille. May you comfort him as well as his family. Parce que tu es le véritable consolateur. Because you are the true comforter. Père Dieu Tout-Puissant. Father Almighty. Nous abandonnons le reste de la journée entre tes mains. We commit the remainder of the day into your hands. Ainsi que la semaine qui est devant nous. As well as the week ahead of us. Puisses-tu nous conduire. May you lead us. Puisses-tu nous guider. May you guide us. Si c'est ta volonté que nous puissions encore nous retrouver ici. If it is your will that we may find ourselves again here. Nous te dirons merci. We will thank you. Gloire, honneur te soit rendu. Glory, honor be unto you. Car nous avons prié avec foi. For we prayed in faith. Dans le nom de notre Seigneur. In the name of our Lord. Et Sauveur Jésus Christ. Savior Jesus Christ. Amen. You may be seated. Il est temps maintenant de louer notre Dieu. It's time now to praise our God. J'invite Frère David à venir nous conduire. May the Lord bless us. We sing starting with 348. I know not why God's wondrous grace to me He has made known. Know why unworthy Christ in love redeemed me for His own. Oh, but I know. Saving grace to me, He did.
know how believing in His word of peace within my heart. Oh, but I know I have believed in and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus to the I've committed unto Him against that day. I know not what of good or evil may be reserved for me, of weary ways of God. But I know I have believed it, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not when love may come at night or noonday pain, nor if I walk the veil with Him or meet Him in the end. Oh, but I know. That He's able to keep that which I've committed unto Him against that day. Oh, but I know I have believed and I'm persuaded that He's able that which I've committed unto Him against that day. There is a fountain filled with blood, John from Emmanuel's vein, and sinners blood. Wash all my sins away.
sins away. The dying lamb, the precious blood shall never lose its power. You may feast at Jesus' table all the time.
water into wine. To the hungry, call him now. Come and dine, oh, come and dine. Come and dine, the master call him. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. Jésus, tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus, tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi, et quand l'épreuve arrive, il travaille pour mon bien. J'apprends à mieux combattre, puisque j'aime Jésus. Et quand l'épreuve arrive, il travaille pour mon bien. J'apprends à mieux combattre, puisque j'aime Jésus. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime le roi, tout concourt pour mon bien. Puisque j'aime Jésus, tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime le roi, quand la tentation vient, il travaille pour mon bien. J'apprends à faire la guerre, puisque j'aime Jésus. Quand la tentation vient, elle travaille pour mon bien. J'apprends à faire la guerre, puisque j'aime Jésus. Oui, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Oui, tout concourt pour mon bien. Puisque j'aime Jésus, tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime le roi, et quand le vent me bouge, il travaille pour mon bien. J'enfonce mes racines, puisque j'aime Jésus. Et quand le vent me bouge, il travaille pour mon bien. J'enfonce mes racines, puisque j'aime Jésus. Oui, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime le roi, quand les douleurs me frappent, il travaille pour mon bien, elle fortifie ma foi, puisque j'aime Jésus. Quand les douleurs me frappent, il travaille pour mon bien, elle fortifie ma foi. Puisque j'aime Jésus, oh, tout concourt pour mon bien. Puisque j'aime Jésus, tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime le roi, tout concourt pour mon bien. Puisque j'aime Jésus, tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime le roi. Et quand la mort me frappe, il travaille pour mon bien. Je vais me reposer, puisque j'aime Jésus. Et quand la mort me frappe, il travaille pour mon bien. Je vais me reposer, puisque j'aime Jésus. Oui, tout comme
ton cou pour mon bien, puisque je mets Jésus, tout travaille pour mon bien, puisque je mets le roi, tout concourt pour mon bien, puisque je mets Jésus, tout travaille pour mon bien, puisque je mets le roi. May God bless you. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre service de ce matin. We're almost at the end of our service this morning. Nous avons ces salutations de la sœur Rosa de l'Afrique du Sud. We have greetings from Sister Rosa from South Africa. Amen. Ainsi que les salutations des frères Deli Ngoyi Kabwe de Kolwezi. As well as Brother Eli from Kolwezi. Deli. Pour Adélie from Delingo. Il y a la sœur Mogi qui a demandé la prière des saints. Sister Mogi asked for the saints' prayers. Nous allons demander à notre frère Henri. We ask Brother Henry de pouvoir prier pour conclure ce service. To pray to close the service. Et quand il priera, il va également se souvenir de la requête de prière de notre sœur Mogi de l'Afrique. As he prays, he remembered the request from Sister Mogi from South Africa. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Lord God Almighty, toi la porte de la bergerie, you the door, toi le grand pasteur, the great shepherd, nous te disons merci ce matin, Père. We say thank you this morning, Father. Parce que tu nous as donné l'opportunité d'être dans ta présence. Because you gave us the opportunity to be in your presence. Nous avons mangé ta parole, Seigneur. We ate your food, your word. Nous avons reçu ce qui était concerné pour nous ce matin, Seigneur. We received what you had for us this morning. Notre seule prière. Our prayer. Est que nous puissions garder ces choses, Seigneur. Is that we may keep those things. Aimer ton avènement. To love your appearing. Être disposé ou prêt. To be ready. Et avoir le Saint-Esprit, Seigneur, pour entrer avec toi. To have the Holy Spirit in order to enter with you. Tu as dit dans ta parole. You said in your word. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent. From John the Baptist until now. Le royaume des cieux est forcé. The kingdom of heaven is forced. Ce sont les violents qui s'emparent. It's those who use violence who take hold of it. Seigneur Dieu, Lord God, aide chacun de nous, oh Dieu, help each one of us, afin de combattre, afin de courir, in order to run, regardant les principes, keeping the principles, regardant les instructions, keeping the instructions, et ces instructions, and those instructions, c'est ta pleine parole, Seigneur, he are your full word, afin que nous puissions recevoir cette couronne qui nous est réservée. So that we receive the crown that is reserved for us. Bénis le service de ce matin. Bless the service this morning. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Bless your servant who you used. Bénis aussi l'interprète, Père. Bless also the translator. Bénis mon frère, ma sœur. Bless my brother, my sister. Celui qui était venu dans ta présence avec une requête. He who came in your presence with a request. Seigneur, qu'ils reçoivent la réponse. May they receive an answer. Souviens-toi de notre sœur qui est en Afrique du Sud qui a donné sa requête. Remember our sister in South Africa who gave her request. Elle ne l'a pas envoyée à nous. She didn't send it to us. Mais elle l'a adressée à toi, Seigneur. But it was addressed to you. Tu connais ses besoins. You know her needs. Avant qu'elle la dise. Before she could express it. Tu connaissais bien avant ce qu'elle a besoin, Seigneur. You knew beforehand what she needed. Réponds-la selon ses désirs. Lord, answer her according to her desires. Et qu'elle reçoive la solution au nom de Jésus-Christ. And may she receive the solution in the name of the Lord Jesus Christ. Ceux qui étaient venus dans ta présence malades, Seigneur, ce matin. Those who came in your presence sick. Qu'ils sortent guéris au nom de Jésus-Christ. May they go out healed in the name of the Lord Jesus Christ. Bénis notre retour, Père. Bless our way back. Et que ta paix nous accompagne. And may your peace accompany us. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Père. In the name of our Lord Jesus Christ, we just pray. Amen. Et terminé. Our service from this morning has come to its end.
si c'est la volonté de Dieu, nous allons nous retrouver encore ici le mercredi soir. God willing, we'll find ourselves again here on Wednesday evening. Pour notre service de mercredi. For our Wednesday service. Allez dans la paix du Seigneur. Go in the peace of the Lord. Au nom du Seigneur Jésus Christ. In the name of Lord Jesus Christ. We'll sing number 20. The Savior calls, I will answer. When he calls for me, I will hear. When the Savior calls for me, I will answer. I'll be somewhere listening for my name. Mokozi,
ishi ni na imani kwamba nitaishi milele. Hosana, 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 Hosana. Nina imani kwamba nitaimba, nina imani kwamba nitaimba. Chemin vers Jérusalem, 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 cité de Dieu, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, 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 Jérusalem. Oui, nous sommes en chemin vers Jérusalem. Oui, nous sommes en chemin vers Jérusalem, Jérusalem.